Madame la ministre de la Culture, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Invitation, Mesdames et Messieurs les directeurs et présidents des institutions partenaires de la Galerie Colbert, Mesdames et Messieurs leurs représentants, chères participantes et participants au Congrès Rotonde. Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cet auditorium Jacqueline Lichtenstein, nouvellement rénové et nouvellement baptisé à la suite d'un vote de l'ensemble de la communauté qui utilise la Galerie Colbert et le site Richelieu, pour l'ouverture de Rotonde, le premier congrès des jeunes chercheuses et chercheurs en histoire de l'art et archéologie, venus de toute la France, quand les moyens le permettent, car je sais qu'un certain nombre de vos camarades ont été retenus par les intempéries. Votre présence ici, mesdames les ministres, témoigne de votre intérêt pour nos disciplines, ainsi que de votre soutien pour les actions engagées par l'Institut national d'histoire de l'art ces dernières années, et c'est l'occasion pour nous, collectivement, de vous en remercier. Un soutien au développement de programmes de recherche d'excellence, un soutien à l'accueil de jeunes chercheuses et chercheurs venus aussi bien du monde de l'université que celui du patrimoine et des musées, un soutien à la mise à la disposition d'immenses ressources documentaires dans la bibliothèque de l'INHA située dans la salle Labrouste et qui est désormais la plus grande bibliothèque d'histoire de l'art au monde. Un soutien enfin à la diffusion de l'histoire de l'art au profit de toutes et tous, porté par la conviction que cette discipline joue un rôle proprement citoyen, encore trop méconnu. Cette première édition de Rotonde, qui est une initiative de doctorantes et de doctorants accueillis actuellement à l'INHA, ce que je veux vraiment souligner, car c'est une initiative particulièrement remarquable, vise à rassembler le plus largement possible celles et ceux qui feront l'histoire de l'art et l'archéologie de demain et qui ont déjà à cœur de réfléchir sur les rôles possibles de leur discipline. 29 événements sont ainsi proposés tout au long de ces deux journées d'échange entre tables rondes, ateliers et forums des associations. Quatre grandes thématiques irrigueront les débats autour de la construction et la déconstruction des catégories de l'histoire de l'art et de l'archéologie. Celle d'une histoire de l'art et de l'archéologie à la croisée des disciplines, la diffusion des connaissances sur l'histoire de l'art et l'archéologie, et enfin les lieux et les formes de l'action politique en histoire de l'art et archéologie. L'INHA que je dirige a parmi ses missions celle de favoriser la jeune recherche en histoire de l'art. C'est une communauté en partie rassemblée ici aujourd'hui, marquée par sa diversité en termes d'objets et de périodes d'études, d'approches méthodologiques, se nourrissant notamment d'autres disciplines et champs d'études, de parcours, de formations et de profils, je l'ai dit déjà, universités, musées, autres institutions culturelles et patrimoniales. C'est une communauté qui doit faire face à des difficultés et qui a fait face remarquablement à des difficultés comme l'ensemble de la communauté nationale face aux effets de la pandémie, mais qui a aussi, comme une partie de cette communauté, à faire face à des manques de financement, à une forme de précarité. Nous savons tous aujourd'hui qu'elle caractérise une grande partie de la vie étudiante. Et un accès compliqué à l'emploi dans le secteur académique, mais aussi dans le secteur culturel. Et c'est une communauté, et je pense que c'est cela qui avait motivé les doctorantes et les doctorants chargés d'études et de recherche de l'INHA à proposer cette manifestation, qui devrait devenir récurrente, qui a besoin de se retrouver. Il y a peu d'occasions, en effet, d'échanger entre jeunes historiens de l'art et archéologues, du fait de l'éloignement géographique qui nous prive de la présence de certains ce matin d'ailleurs, et on peut espérer que les transports vont vite se rétablir après la tempête, mais aussi du fait que la plupart des laboratoires et écoles doctorales sont désormais pluridisciplinaires, ce qui est évidemment un gros avantage, mais qui fait que souvent les historiens de l'art et les archéologues se trouvent un peu dispersés à l'intérieur de structures qui ne leur permettent pas tant que cela de se réunir. L'INHA existe depuis 20 ans à partir d'une intuition fondamentale. Il fallait mettre fin à l'éclatement de l'histoire de l'art entre les musées et les universités et favoriser les collaborations à l'échelle de l'ensemble du territoire national. La création d'un institut français d'histoire de l'art où seraient réunis bibliothèques, documents et archives a été imaginée dès 1973 par Jacques Tuilier, historien de l'art et conseiller du président Georges Pompidou. Et ce projet, formalisé en 1983 par le grand historien de l'art André Chastel, a finalement conduit à la création de l'INHA après moult péripéties le 12 juillet 2001. André Chastel insistait sur le fait que cet institut devait être une maison
Et c'est dans la fidélité à cette intuition que nous accueillons ici, dans ces bâtiments, à la fois l'Institut national du patrimoine, dont je salue le directeur, les enseignements à partir du niveau master en histoire de l'art et archéologie des universités d'Île-de-France, notamment Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Sorbonne Université, l'EHESS, dont je salue les représentants ou présidents, et leurs laboratoires et unités de recherche, ainsi que celles du CNRS, dans les deux disciplines de l'histoire de l'art et de l'archéologie. C'est avec eux que cette année, nous allons célébrer nos 20 ans, à travers une programmation très riche que je vous laisserai découvrir, mais je voudrais insister notamment sur les hommages qui seront rendus à Pierre Encrevet et à Michel Laclotte au printemps 2022, deux personnalités éminentes, l'un du monde universitaire, l'autre du monde des musées, qui ont été des personnages clés de la création de l'INHA il y a 20 ans. Pour ceux que cela intéresse, le détail de la programmation est à retrouver sur 20ans.inha.fr. Avant de laisser la parole à Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation et à Madame la ministre de la Culture, je tenais à remercier l'ensemble du comité scientifique et d'organisation de ce premier congrès Rotonde, composé de jeunes chargés d'études et de recherche, c'est-à-dire de doctorantes et de doctorants venus de toute la France et accueillis pendant 3 ou 4 ans à l'INHA, ainsi que France Nerlich et Juliette Trey, directrice et directrice adjointe du département des études et de la recherche de l'INHA, et l'ensemble des services des manifestations culturelles et de la communication et des moyens techniques, pour leur implication dans la réussite de cet événement. Merci à vous. Madame la ministre de la Culture, chère Roselyne, monsieur le directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les directeurs et directrices, mesdames et messieurs, chers collègues, chers étudiants. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ouvrir cette toute première édition du Congrès des jeunes chercheurs en histoire de l'art et en archéologie aux côtés de ma collègue Roselyne Bachelot. Au-delà de son évidente filiation avec la magnifique galerie où nous nous trouvons, son nom, Rotonde, au pluriel, affiche d'emblée les ambitions de ce nouveau rendez-vous, embrasser la pluralité des institutions et des objets d'études pour offrir aux doctorants, aux doctorantes, aux post-doctorants, aux post-doctorantes, aux jeunes chercheurs et chercheuses, aux enseignants-chercheurs, aux conservateurs, un espace où faire communauté dans la libre circulation des savoirs. Avec ce congrès, l'INHA poursuit donc son engagement envers les jeunes chercheurs et chercheuses et envers le décloisonnement des pratiques dont le Festival de l'Histoire de l'Art est devenu l'étendard. Notre présence conjointe aujourd'hui avec la ministre de la Culture témoigne de notre volonté commune de vous accompagner dans ce renouvellement des disciplines, dans ce dialogue des expertises, dans ces liens nouveaux créés entre la recherche, l'art et le citoyen. Car la communauté que vous formez aujourd'hui a un rôle essentiel à jouer dans l'avenir qui s'invente. Et c'est aussi le message délivré par ce premier congrès dédié aux relations entre histoire de l'art, archéologie et société. En décryptant les traces matérielles et artistiques des civilisations, vos disciplines reconstituent des pensées, des sensibilités, des regards qui sont autant de miroirs tendus sur notre propre culture et sur notre propre altérité. En cela, elles nous aident à saisir ces dialectiques entre le passé, le présent et le futur, qui nous permettent de mieux nous situer dans le monde en tant qu'individus et en tant que peuple. Au-delà de cette mission, ces disciplines sont porteuses de savoirs et de démarches particulièrement précieuses pour accompagner notre société dans ses mutations. Dans un monde qui parle essentiellement à l'œil, elles peuvent nous apprendre à mieux lire les images qui saturent notre quotidien et à discerner celles qui aliènent de celles qui libèrent. Dans une époque qui nous presse d'innover, de refonder, elle nous rappelle l'existence d'autres ressorts au service de l'authentique créativité et de l'art de bâtir. Enfin, dans une actualité trop souvent agitée par des polémiques qui déchaînent d'autant plus les passions qu'elle trouve sur la toile une redoutable chambre d'écho, elle partage avec toutes les autres sciences cette capacité à insuffler rigueur et rationalité dans les débats. Ainsi, l'expertise qu'elles ont acquise en matière de circulation des œuvres est particulièrement précieuse
pour éclairer la décision publique sur la restitution d'objets d'art. Et je voudrais à cet égard saluer l'engagement dont l'INHA fait preuve sur ce sujet au travers de la cartographie Monde en musée. L'histoire de l'art et l'archéologie ont d'autant plus de choses à nous dire sur notre monde que leur potentiel est aujourd'hui décuplé par leurs interactions avec les autres domaines scientifiques. En renouvelant l'étude de l'image et de ses fonctions, l'anthropologie de la figuration, récemment réalisée par Philippe Descola, nous rappelle combien les sciences humaines et sociales peuvent s'enrichir mutuellement. Le dialogue avec les autres champs scientifiques n'est pas moins fécond, alors que nous nous trouvons à quelques centaines de mètres de l'accélérateur de particules Aglaé. Comment ne pas évoquer l'effort de la chimie, de la physique, pour restituer toute la matérialité des œuvres en découvrant la provenance de leurs pigments, de leurs bois, de leurs métaux. Et que dire du bouleversement épistémologique provoqué par les sciences numériques et le big data? En soutenant leur intégration dans l'histoire mondiale et en démultipliant leurs sources, elles ont permis à l'histoire de l'art et à l'archéologie de gagner encore en robustesse et en pouvoir explicatif. S'il est un chantier emblématique de cette interdisciplinarité heureuse, c'est sans aucun doute celui de Notre-Dame. La cathédrale de pierre, de bois, de plomb s'est doublée d'une cathédrale des savoirs, où les disciplines résonnent de manière quasi symphonique, l'histoire de l'art et l'archéologie en appelant à la physique des matériaux, à la chimie, à la musicologie, à la sociologie ou encore aux sciences informatiques pour avancer dans leur œuvre scientifique et patrimoniale. Un chantier exceptionnel mené depuis 2019 et pour lequel le CNRS joue un rôle majeur aux côtés de l'INHA, qui a d'ailleurs aussi mis en place un séminaire de recherche conjoint sur Notre-Dame avec l'INP, et ce dès le lendemain de l'incendie. Modeste ou grandiose, d'ici ou d'ailleurs, tous les chantiers dans lesquels l'histoire de l'art et l'archéologie sont engagés aujourd'hui donnent à voir des disciplines vivantes, ouvertes, fertiles, en considérant notre culture non pas comme un héritage gravé dans le marbre, mais comme un palimpseste sans cesse à recouvrir. Elle nous invite à l'investir collectivement en y engageant tout ce qui nous lie comme tout ce qui nous différencie. Parce qu'elles sont des artisans du vivre ensemble, elles méritent toute l'attention de la puissance publique et c'est pourquoi j'ai décidé de renforcer l'engagement de mon ministère à leur égard. Ce soutien renouvelé s'adresse tout d'abord à vous, aux jeunes chercheurs, aux jeunes chercheuses. La crise n'a pas affecté les disciplines scientifiques de la même manière et je sais combien les sciences humaines et sociales ont pu souffrir de ne pouvoir accéder aux terrains de fouilles, aux archives, aux objets, aux preuves. C'est pourquoi, après avoir permis la prolongation de l'ensemble des contrats doctoraux entravés par la pandémie, je souhaite aujourd'hui financer deux contrats post-doctoraux portant sur des sujets d'histoire de l'art et du patrimoine, dont la responsabilité sera confiée à l'INHA pour leur attribution, et qui, au-delà des moyens, proposera un véritable accompagnement vers la candidature aux appels à projets français et européens, et vers la mobilité internationale. Car il me semble essentiel que les jeunes chercheurs puissent renouer avec cette ouverture sur le monde qui leur a tant manqué durant les derniers mois, en prenant appui sur les UMIFRE et sur les écoles françaises à l'étranger. Pour cette même raison, mon ministère a choisi d'augmenter les bourses de mobilité nationale et internationale délivrées par l'INHA à des doctorants et post-doctorants. Pour la première fois, le plan sciences humaines et sociales consacre un volet spécifique aux jeunes chercheurs en histoire de l'art et archéologie. Ce plan qui, depuis 2018, consacre 5 millions d'euros par an au tournant numérique et au rayonnement international des sciences humaines et sociales, permettra en outre de financer des thèses à l'Institut national de recherche archéologique préventive. Au-delà de ces actions ciblées, c'est la loi de programmation de la recherche qui garantit l'avenir de la recherche en sciences humaines et sociales. Tout d'abord en prévoyant une augmentation de 20% des contrats doctoraux financés par le ministère. Ce sont très majoritairement les doctorants de sciences humaines et sociales, trop peu financés, qui vont en bénéficier. D'autre part, le renforcement historique du budget de l'Agence nationale de la recherche va lui aussi redonner du souffle budgétaire à ces disciplines. En effet, j'ai souhaité que l'architecture des appels à projets de l'ANR soit repensée pour leur permettre de profiter pleinement des outils qui leur sont consacrés, en définissant 7 axes sur les sciences humaines et sociales, dont 2 concernent spécifiquement les arts et les disciplines rares. Enfin, avec un nouvel instrument, Access ERC, expérimenté spécifiquement sur le champ des sciences humaines et sociales, les post-doctorants pourront renforcer leur expérience internationale
en vue de préparer leur candidature à l'ERC. L'autre volet de l'engagement de mon ministère envers l'histoire de l'art et l'archéologie, c'est celui de la recherche partenariale. Je suis convaincue qu'il faut bâtir davantage de ponts entre le monde de la recherche et le monde des musées, entre la science et l'art. Si les œuvres révèlent des dimensions insoupçonnées sous le regard de la science trouve au contact des œuvres et de leur public de nouvelles pistes de recherche. Pour encourager ces circulations entre les deux mondes, mon ministère financera 26 semestres de délégation d'enseignants-chercheurs dans les musées. Les projets de recherche susceptibles d'être menés dans ce cadre pourront porter sur les différentes formes de création artistique, comme sur les rapports entre patrimoine et tourisme ou patrimoine et changement climatique. Au-delà de la production de connaissances, l'objectif est d'enclencher la première étape d'un rapprochement qui se traduira in fine par le développement de thèses chiffres dans les musées et les associations culturelles et par la mise en place de laboratoires communs sur le modèle des LabCom, mais cette fois-ci entre deux structures publiques. Ce recours au dispositif partenariat n'a rien d'un hasard, car il participe de l'ambition de favoriser la créativité et l'innovation dans les pratiques culturelles, la muséographie, l'accueil des publics, la jouissance du patrimoine. Les sciences humaines et sociales savent apporter leur pierre à ces projets et le feront notamment au travers du programme et équipement prioritaire de recherche qui est au cœur de la stratégie d'accélération portée par le ministère de la Culture. Vous le voyez, notre pays a de grandes ambitions et de grands projets pour vos disciplines et c'est à vous qu'il appartient de les faire vivre. Albert Camus disait que le but de l'art ne peut être que d'accroître la somme de liberté et de responsabilité qui est dans chaque homme et dans le monde. Je crois que la science, et a fortiori les sciences de l'art et du patrimoine, peuvent se réclamer de ce même objectif. Il est assez élevé pour remplir une vie, mais trop grand pour être atteint tout seul. Et je sais que vous aurez à cœur de cultiver vos liens pour pouvoir l'atteindre ensemble. Je vous remercie. Bonjour à tous et à toutes. Merci de votre propos introductif et de votre accueil, cher Éric de Chasset. Oui, Frédéric, c'est vrai, c'est un vrai bonheur que d'être avec vous ce matin pour l'ouverture de ce premier congrès dédié aux jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l'art et en archéologie. Oui, aussi Frédéric, tu as raison de dire combien la recherche est un exercice collectif. C'est par l'échange et la confrontation des points de vue que l'on nourrit ses travaux, que l'on affine sa démarche et qu'on découvre de nouveaux champs d'investigation. Étudiant en master, doctorant, post-doctorant ou encore conservateur en formation, vous menez au quotidien des discussions fécondes avec vos collègues, avec vos maîtres de thèse au sein de vos unités de recherche respectives. Ce nouveau rendez-vous, ces rotondes, vous offre aujourd'hui une occasion différente de vous retrouver entre chercheurs, quelles que soient vos origines géographiques ou vos différentes disciplines académiques. Sur le plan humain, cet événement sera précieux. Vous allez pouvoir, et ça va être très important, partager votre vécu, vos expériences, surtout après cette période très difficile de crise sanitaire que nous traversons, dont on peut espérer qu'elle est en train de s'apaiser. Sur le plan scientifique, ce rendez-vous permettra de mettre à l'honneur l'excellence et le caractère novateur de vos travaux, tout en vous permettant de dessiner collectivement le futur de vos disciplines. Notre présence conjointe avec Frédéric Vidal témoigne de notre attachement à vous soutenir dans votre démarche et à accompagner de façon plus large l'ensemble de la recherche en sciences humaines et sociales. Le programme de ce premier congrès est porté par une véritable ambition intellectuelle. Sous le thème « Histoire de l'art, archéologie et société »,
pluriel. Les quatre sessions promettent une intense, je ne sais pas si ce sont des saisons ou des sessions, peut-être les deux, allez. Les quatre sessions promettent une intense réflexion épistémologique qui vise à redéfinir ces deux disciplines dans leur rapport avec notre société. Deux sujets ont tout particulièrement retenu mon attention. Celui des lieux et des formes de l'action politique en histoire de l'art et en archéologie, bien sûr, mais aussi celui de la diffusion des connaissances dans ces deux disciplines. Cette session sera particulièrement riche d'enseignements pour notre politique culturelle, puisqu'elle s'interroge autant sur la place de l'histoire de l'art et de l'archéologie dans notre enseignement que sur son impact sur les différentes pratiques muséales. Cette résonance avec l'action que mène le ministère de la Culture n'est finalement pas surprenante. L'INHA, ses étudiants, ses chercheurs nourrissent depuis longtemps nos politiques publiques grâce à leur expertise unique. Un des exemples de cet apport de votre institution à l'action de ce ministère est le travail de fond mené pour identifier parmi nos collections nationales des biens juifs spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 3 décembre prochain sera ainsi publié en ligne le répertoire des acteurs du marché de l'art sous l'occupation, mené conjointement avec une université allemande et le Centre allemand des spoliations culturelles. En 2020, l'INHA a par ailleurs pu identifier 1224 documents spoliés dans sa bibliothèque. Ce travail titanesque alimentera les activités du CIVS. Je voudrais aussi évoquer le formidable outil développé par l'INHA dans la lignée du discours du président de la République à Ouagadougou. L'objectif lui avait été donné conjointement avec le musée du Quai Branly Jacques Chirac de constituer un portail internet retraçant la provenance des objets africains présents dans nos collections nationales. Non seulement ce défi a été relevé avec brio, sous la forme d'une cartographie accessible en ligne, mais le projet a même été élargi en partenariat avec la directrice des musées d'Angoulême. La politique de restitution dans laquelle nous sommes engagés est fondée avant tout sur la connaissance de l'histoire des collections. Au-delà même des projets de restitution, il s'agit de mieux faire connaître les collections extra-occidentales et d'approfondir ainsi notre connaissance sur leur histoire. C'est une priorité scientifique et culturelle à laquelle il est essentiel que l'INHA contribue avec les musées engagés dans ce domaine. L'Institut national d'histoire de l'art fête cette année ses 20 ans. On n'a pas tous les jours 20 ans, disait le proverbe, mais 20 années durant lesquelles l'originalité de son modèle en co-tutelle de nos deux ministères, cher Frédéric, n'a cessé de prouver sa richesse et son dynamisme. Établissement ancré dans le temps présent, au carrefour de la recherche théorique et pratique, du monde académique et de nos politiques patrimoniales, il a fait de l'interdisciplinarité son atout majeur. Il était donc normal de marquer ce 20e anniversaire en mettant en avant les nouveaux talents de l'INHA dans toute la diversité de leur parcours. Ils contribueront, vous contribuerez, à construire l'avenir de nos politiques culturelles. Cette valorisation particulière des jeunes chercheurs n'est pas un événement isolé, mais un engagement que l'INHA et le ministère de la Culture mènent sur le long terme. Tout d'abord, au travers du Festival d'Histoire de l'Art, dont nous avons fêté en juin le 10e anniversaire, et où les jeunes chercheurs ont l'occasion de présenter leurs travaux, notamment lors du concours « Ma thèse en histoire de l'art et en archéologie en 180 secondes », on pourrait peut-être inviter, cher Frédéric, les parlementaires à assister à ce festival. Enfin bon, c'est vrai que c'est un défi. Mais aussi, grâce aux nombreuses aides à la mobilité dispensées chaque année par l'INHA et qui permettent aux chercheurs d'effectuer leur indispensable mission. Je tiens à saluer tout particulièrement le soutien apporté par ton ministère, cher Frédéric, avec ainsi, par exemple, de nouvelles bourses de recherche mises en place. Elles permettront de jeunes chercheurs de tous horizons
de mener à bien leurs projets relatifs à l'histoire de l'art et au patrimoine, avec un soutien complémentaire accordé pour leur mobilité en France comme à l'international. Comme tu l'as souligné, cher Frédéric, nos deux ministères agissent en étroite collaboration pour soutenir la recherche au service de notre culture et de notre patrimoine. Je me réjouis tout particulièrement du renouvellement en début d'année de l'accord cadre qui nous unit au CNRS et qui se traduit par un nombre inégalé de projets conjoints aux résultats scientifiques décisifs depuis le chantier Notre-Dame que tu as évoqué à la cellule Vitrail chargée d'inventorier et d'étudier les chefs-d'œuvre disséminés sur l'ensemble du territoire. Je voudrais également, et à ta suite, rendre hommage à Michel Laclotte, père fondateur de l'INHA, qui nous a quittés cet été. Préfigurateur du musée d'Orsay, il avait aussi dirigé les travaux de transformation du Grand Louvre, toujours animé d'une immense passion. Particulièrement attaché à la démocratisation de l'accès à la culture, ce visionnaire aura marqué de son empreinte la politique culturelle de notre pays. Il serait fier, j'en suis sûr, de voir la qualité des interventions qui vont suivre, mais je suis convaincu qu'il serait encore plus fier de constater la soif de connaissance et de renouveau qui vous anime et qui nous anime. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent congrès. Merci. Bon, ça durait un peu plus de 180 secondes, mais bon, voilà, il le fallait. Merci.
Bonjour à tous. Nous tenons à remercier Madame la Ministre de la Culture et Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation de leur présence. C'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue au sein de l'auditorium Jacqueline Lichtenstein de l'Institut national d'histoire de l'art pour l'ouverture de Rotonde, le premier congrès national dédié à la jeune recherche en histoire de l'art et en archéologie. Nous vous remercions d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Nous souhaitons également adresser nos remerciements à toutes les personnes qui ont apporté leur précieux soutien à l'organisation de ce congrès, tout particulièrement M. Éric Dechassé, directeur de l'INHA, Mme France Nerlich et Mme Juliette Tré, directrice et directrice adjointe du département des études et de la recherche, M. Jérôme Bessière et Mme Sophie Desraux, directeur et directrice adjointe du département de la bibliothèque. Nous tenons aussi à exprimer toute notre gratitude à plusieurs services de l'INHA, sans qui cet événement n'aurait pu voir le jour. Le service des manifestations, le service de la communication, le service informatique et le service des moyens techniques. Nous remercions aussi tous les agents et agentes, les techniciens et techniciennes qui ont œuvré directement ou indirectement à la réalisation de ce congrès qui s'inscrit dans le cycle de célébration des 20 ans de l'INHA. Et bien sûr, nous vous remercions toutes et tous, intervenants, intervenantes, participants et participantes, parfois venus de loin, qui sont la raison d'être de ce congrès. L'objectif de Rotonde est en effet de rassembler largement la communauté de la jeune recherche en histoire de l'art et en archéologie dans toute sa diversité. Au sein du monde universitaire, elle ne se limite pas au seul statut de doctorant ou de doctorante. Elle comprend notamment les étudiants et étudiantes de master, tous les chargés de cours, ainsi que les ingénieurs, techniciens et techniciennes d'études et de recherche. Mais surtout, l'histoire de l'art et l'archéologie ne s'écrivent pas qu'à l'université. Nos disciplines se nourrissent de l'apport des personnels des musées et autres institutions culturelles et patrimoniales, travaillant dans le domaine de la conservation-restauration, de la curation ou de la médiation, mais aussi des services archéologiques nationaux et territoriaux. Ces énumérations sont loin d'être exhaustives, mais elles témoignent de la pluralité des acteurs et actrices qui composent la communauté de la jeune recherche en histoire de l'art et en archéologie. À l'université, les écoles doctorales et les laboratoires étant souvent pluridisciplinaires, les occasions de rencontre entre jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l'art et en archéologie se font rares. La variété des périodes, des objets d'études et des approches méthodologiques mènent aussi parfois à des regroupements, voire à des cloisonnements au sein de nos disciplines. C'est cette diversité qui est une chance et une richesse, mais elle pose aussi de nombreux défis lorsqu'il s'agit de tous nous rassembler. Cette diversité se retrouve d'ailleurs au sein des doctorants et doctorantes accueillis et financés par l'INHA, qui travaillent en parallèle de leur thèse comme chargés d'études et de recherche au sein de cette institution. Rattachés à des écoles doctorales diverses, nos horizons méthodologiques, disciplinaires et chronologiques sont multiples. Et pourtant, notre affiliation à l'INHA nous donne quotidiennement l'occasion et la chance de nous rencontrer, de débattre et de nous soutenir. C'est à l'occasion de ces échanges qu'est née l'idée de Rotonde et que nous avons constitué un comité d'organisation qui porte ce projet depuis maintenant plus d'un an et que nous représentons toutes les deux devant vous ce matin. De telles opportunités d'échange, comme celles qui nous sont données à l'INHA, sont d'autant plus précieuses qu'elles ne sont pas offertes au même degré à toutes et tous au sein de la jeune recherche. Et pourtant, elles sont essentielles, tant à l'avancement des travaux des jeunes chercheurs et chercheuses, qu'à leur bien-être et à leur équilibre personnel, surtout au regard des obstacles auxquels ils et elles doivent faire face. Parmi les difficultés structurelles, la principale, on l'a dit, est le manque de financement. Il intervient dès l'entrée dans le monde de la recherche. Si les opportunités d'obtention de bourses de mobilité et de terrain sont rares, les chiffres les plus frappants concernent les contrats doctoraux. Ainsi, selon le rapport de 2020 sur l'état de l'emploi scientifique en France, seuls 37% des doctorants et doctorantes en sciences humaines bénéficiaient d'un financement dédié lors de leur inscription en première année. De nombreux jeunes chercheurs et chercheuses n'ont donc pas l'opportunité de se consacrer pleinement à leurs travaux et les emplois qui leur sont proposés, notamment les vacations, ne sont pas toujours adaptés au rythme de leurs recherches ni suffisamment valorisés sur le plan financier. Face à cette surcharge de travail et compte tenu des lourdes attentes qui pèsent sur la réalisation des thèses, la durée du doctorat a donc tendance à s'allonger. Certaines thèses sont même abandonnées.
Si des chiffres récents sont difficiles à obtenir, une étude de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, datant de 2013, évaluait le taux d'abandon à près de 40% en sciences humaines et sociales. D'autres thèses ne sont même jamais commencées, car ces conditions ont en effet de quoi freiner, voire décourager, l'inscription en doctorat. Ainsi, entre 2006 et 2018, la proportion des diplômés de master poursuivant des études doctorales est passée de 30% à seulement 5% pour les disciplines des lettres et des sciences humaines. La précarité se retrouve à chaque étape de la vie des jeunes chercheurs et chercheuses. Parmi les doctorants et doctorantes qui soutiennent leur thèse, rares sont celles et ceux qui finissent par obtenir un poste de titulaire. Notons d'ailleurs les importants écarts hommes-femmes dans l'accession à l'emploi à l'issue du doctorat, souligné par l'enquête IPDoc réalisée en 2017. Cette difficulté d'insertion professionnelle est particulièrement prégnante en histoire de l'art et en archéologie, car ces disciplines ne sont pas enseignées en tant que telles dans le secondaire et ne bénéficient donc pas de concours comme le CAPES ou l'agrégation. Quant aux autres concours de la fonction publique, de la conservation-restauration aux études documentaires, ils n'offrent qu'un nombre très limité de places et, pour beaucoup, ne sont pas ouverts tous les ans. Plus largement, cette précarisation croissante concerne l'ensemble des secteurs de la culture et du patrimoine. Dans ce contexte de raréfaction des postes, les jeunes chercheurs et chercheuses se retrouvent donc mis en concurrence et en compétition les uns avec les autres. Le déroulement apaisé de nos cursus de recherche est bien souvent rendu difficile par les impératifs de publication et de visibilité, d'autant que nos travaux restent encore trop peu valorisés. À ces difficultés structurelles s'ajoutent des difficultés conjoncturelles qui, depuis 2 ans, ralentissent, voire interdisent parfois la mise en œuvre de nos recherches. La crise sanitaire a en effet accentué le sentiment d'isolement physique, matériel et moral des étudiants et étudiantes. Ces conditions difficiles font apparaître comme d'autant plus nécessaire l'organisation d'événements permettant aux jeunes chercheurs et chercheuses de se rencontrer, d'échanger et de se soutenir mutuellement. Depuis 20 ans, l'INHA a pour mission de développer l'activité scientifique et de contribuer à la coopération scientifique internationale dans le domaine de l'histoire de l'art et du patrimoine. Pour que cette coopération existe, il nous semble indispensable de commencer par fédérer la jeune recherche sur le territoire national. C'est à elle que nous souhaitons aujourd'hui donner la parole. Car si cette communauté doit faire face à de nombreuses difficultés, elle n'en est pas moins particulièrement dynamique. Elle couvre, par ses recherches, des périodes et aires géographiques vastes, des thématiques inédites qui renouvellent, approfondissent et questionnent l'héritage laissé par celles et ceux qui nous ont précédés. Ces nouveaux éclairages contribuent dès à présent à la vitalité de nos disciplines. C'est pour cela que la recherche en histoire de l'art et en archéologie ne peut pas se faire sans nous, jeunes chercheurs et chercheuses. Grâce à l'appui institutionnel et financier de l'INHA, nous espérons que Rotonde devienne le rendez-vous pérenne de notre communauté. C'est pas fini. Mais avant de réfléchir à l'avenir de Rotonde, nous avons la joie de vous présenter un peu plus en détail cette première édition, dont le thème est « Histoire de l'art, archéologie et société ». Le choix de ce thème résulte d'une volonté de réaffirmer l'importance de nos disciplines et d'interroger leur rôle dans nos sociétés. Les problématiques de l'histoire de l'art et de l'archéologie sont en effet fréquemment mobilisées dans les débats publics, en particulier ceux ayant trait au patrimoine et aux images. Ce congrès invite donc à réfléchir aux multiples modalités qui régissent les rapports entre sociétés, pratiques et discours des acteurs et actrices de l'archéologie et de l'histoire de l'art. En lien avec une réflexion historiographique sur les évolutions de l'histoire de l'art et de l'archéologie, plusieurs questions fondamentales se posent. Elles concernent notamment la diffusion de ces disciplines et leur enseignement, leur économie et leur rapport au marché de l'art, mais également la nature de l'investissement et des actions politiques des archéologues, historiens et historiennes de l'art dans la société. Ces différentes problématiques seront traitées lors des sessions principales du Congrès par des intervenants et intervenantes aux profils variés, tant en termes de statut et d'affiliation que de sujets de recherche. Ces sessions seront alternativement modérées par de jeunes docteurs et par de jeunes conservateurs et conservatrices du patrimoine. En parallèle, se tiendront des tables rondes et des ateliers pratiques, méthodologiques et épistémologiques qui permettront d'échanger en groupes plus réduits. S'investir dans une association peut également être une manière de contribuer à la recherche, tout en tissant un réseau amical et professionnel précieux. C'est pourquoi un forum associatif se tiendra dans la Galerie Colbert durant ces 2 jours.
Nous avons à cœur que Rotonde soit un moment de convivialité et de bienveillance, et nous sommes convaincus que les échanges, tant formels qu'informels, participent à l'intérêt scientifique du Congrès. Nous aurons ainsi plusieurs occasions de nous retrouver en dehors des sessions et des ateliers, des déjeuners, différentes pauses prévues durant ces journées, notamment dans les espaces autour de la galerie, de la Rotonde, ainsi que le cocktail de ce soir et le pot de clôture de demain soir. Ce congrès est le vôtre et nous vous souhaitons d'y passer deux belles journées d'échange et de partage. Nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous pour la prochaine édition de Rotonde, au printemps 2023, et nous laissons à votre disposition tout au long du congrès des boîtes à idées où nous serions très heureux de recueillir vos suggestions. Bon congrès à toutes et à tous. Et donc, je me permets juste d'introduire Paloma Diaz, qui va nous présenter ses travaux sur l'art africain. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, je me permets simplement un petit mot d'introduction. Je suis Alexandre Gérard Mskagori, donc je vais modérer cette première session. Merci au comité scientifique et d'organisation pour son invitation. C'est un vrai plaisir donc d'animer cette première session du premier congrès des jeunes chercheurs et chercheuses en histoire de l'art. Et donc cette session est consacrée au vaste chantier, ancien bien entendu, mais plus actuel que jamais, de l'étude de la construction des catégories de l'histoire de l'art et de l'archéologie et des méthodes pour les déconstruire ou s'en départir. Plus précisément, il s'agit de s'intéresser au processus de définition, de qualification ou d'assignation, aux labels, aux légendes, voire aux cartels dont usent et abusent les historiennes et historiens de l'art pour appréhender le désordre des formes et des images sur lesquelles nous travaillons. Il s'agit également de se pencher sur les processus de coproduction de ces catégories par l'histoire de l'art académique ou universitaire, les institutions muséales, le marché de l'art, mais aussi les médias ou la sphère politique. Et comme la thématique histoire de l'art, archéologie et société de Rotonde nous y invite, il faut sans doute rappeler en préambule que ces catégories typologiques, stylistiques, ethniques, iconographiques ne sont jamais anodines et que comme toute forme d'organisation des savoirs, elles agissent puissamment, voire violemment sur le monde, en concourant souvent à des processus d'essentialisation des cultures, de classification des populations, d'invention de généalogie historique ou de réification sociale. Savoir les questionner ou s'en libérer par un travail poussé d'historicisation et de décentrement apparaît autant comme une démarche fondamentale de toute recherche contemporaine en histoire de l'art que comme une nécessité quasi politique en ces temps de replis identitaires et de regains nationalistes. À la construction et à la déconstruction mise en avant dans l'intitulé de cette session, il faudrait enfin ajouter le terme de reconstruction, mais cette dimension apparaîtra sans doute dans les communications. En d'autres termes, comment penser ces travaux de jeunes chercheuses ou chercheurs en inventant d'autres terrains, d'autres classifications, d'autres termes que ceux habituellement explorés ou employés? Comment dépasser les simples reformulations cosmétiques qui ont vu, pour prendre un exemple dont on parlera sans doute, l'art primitif se muer à la fin des années 90 en art premier pour atténuer la violence des mots sans pour autant remettre en question les idées reçues et les préjugés sous-jacents? Et donc, pour observer la façon dont la jeune génération d'historiennes et historiens de l'art appréhende, voire déjoue les pièges des catégories, nous avons donc le plaisir d'avoir aujourd'hui trois orateurs, Paloma Diaz, Quentin Richard et Suzanne Martin-Vigier. Paloma Diaz, vous êtes donc doctorante contractuelle et chargée de cours à l'Université Bordeaux-Montaigne, au centre François-Georges Parizet depuis septembre 2020. Votre thèse sous la direction de Dominique Jarassé, qu'on connaît bien notamment pour son travail de déconstruction de catégories telles que l'art juif ou l'art colonial, s'intitule « Patrimonialisation des arts indigènes », entre guillemets. Dans les colonies françaises d'Afrique subsaharienne, et héritage dans la création artistique postcoloniale 1895-2005.
Et donc votre communication revient sur le mouvement de requalification et d'appropriation des objets africains en Occident, qualifié selon les contextes d'artisanat indigène, d'art nègre, d'art africain, au fil de processus d'artification et de patrimonialisation dont vous nous proposez une généalogie en contexte colonial. Tout à fait. Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation et je tiens à remercier naturellement les organisateurs et organisatrices de cet événement exceptionnel d'avoir retenu ma communication intitulée, vous le voyez à l'écran, « L'art africain est un grand malentendu éthique, retour sur la part coloniale d'une catégorie mythique de l'histoire de l'art ». Pour répondre et faire suite aux ambitions de ce congrès et particulièrement à sa dimension historiographique, je vous propose d'étudier une période charnière de l'histoire du continent, dont les conséquences politiques, sociales, culturelles structurent pour une part notre contemporanéité. Alors. Depuis les années 50, les recherches concernant les arts de l'Afrique subsaharienne se sont multipliées de manière exponentielle, tant en histoire de l'art qu'au sein d'autres disciplines. Pourtant, malgré la grande diversité des travaux et des approches, les discours qui se sont élaborés depuis 70 ans ont fait l'impasse sur une part considérable de ce corpus, les objets produits au cours de la période coloniale. Pour le seul musée du Quai Branly, que vous avez derrière moi, on recense pourtant plus de 60 000 objets dont l'immense majorité n'a pas encore trouvé sa place dans une histoire qui les prenne pleinement en compte. À ce jour, les études se répartissent schématiquement entre les trois voies principales que vous voyez à l'écran et qui dominent toujours dans l'approche des arts d'Afrique. La première, l'étude dite du primitivisme, incluant notamment la tendance des artistes européens à s'inspirer des productions exotiques, a été développée par Jean Laude, William Fagg ou encore Philippe d'Agen. La seconde induit une catégorisation de ces productions et une classification par aire géographique ou par ethnie. Elle fut notamment portée par Jacqueline Delange, Jean-Louis Podra ou encore Jacques Kerchache. Enfin, la dernière voie, qui est aussi la plus récente, propose une historicisation tant du parcours d'existence de ces objets que des regards, un aspect développé par Jean-Louis Hamzel, Cédric Vincent ou encore Maureen Murphy. Mon travail de thèse, comme l'a très bien souligné Alexandre, qui entend réintégrer la période coloniale dans l'histoire des arts d'Afrique, s'inscrit dans cette troisième dynamique, tout en engageant une relecture critique des deux autres voies. Il est plus que temps, désormais, de poser sur ces artefacts, sur cette époque, sur le monde colonial, un regard plus nuancé et plus ouvert pour rendre à cette histoire la complexité qui est la sienne. Histoire qui commence d'ailleurs, non pas au XIXe ou au XXe siècle, mais bien au XVIe siècle, lorsque les commerçants portugais accostent les premiers sur la côte ouest du continent. Venus implanter des comptoirs commerciaux, ils échangent l'or, l'ivoire, le sel et d'autres matières premières en échange de produits manufacturés venus d'Europe. L'Afrique, perçue jusqu'alors comme terra incognita, se révèle être un territoire gorgé de richesses à saisir, qu'il s'agisse de matériaux ou de vies humaines. Au cours du XVIIIe siècle, se mêlent rapidement à ces explorations géographiques des recherches anatomiques qui alimentent encore le goût pour ces peuples lointains. Cartographiant les territoires inconnus, comme les boîtes crâniennes, on recense, on mesure, on compare et on classe. Une perspective qui place alors, à l'image de Julien-Joseph Viret, l'homme dit primitif, au commencement de la civilisation, dans un schéma qui conduit, vous le voyez, des grands singes vers l'homme occidental. L'idée du modèle européen, compris comme référence humaine universelle, s'impose progressivement comme une certitude. Dans ce contexte, les productions matérielles de ces peuples jugés barbares doivent illustrer, vous l'imaginez bien, le développement ou la stagnation de leurs propriétaires. Au XIXe siècle, la colonisation s'intensifie, s'organise et s'étend suivant une logique capitaliste. Les grandes puissances européennes, fortes de leur supériorité technologique, économique et militaire, se partagent le monde pour en exploiter les richesses. C'est une véritable course de vitesse qui s'instaure alors, où après les explorateurs, à l'instar de Livingstone ou Savorgnan de Brazza, les missions militaires sont envoyées signer des accords avec les royaumes africains. Toutefois, c'est la conférence de Berlin, tenue de novembre 1884 à février 1885, regroupant 14 pays, qui trace les grandes lignes de la colonisation de l'Afrique. Elle place alors 90% du continent sous autorité européenne.
À l'aube du XXe siècle, moins de 100 ans après la conquête d'Alger, en 1830, le domaine colonial français est le deuxième plus grand d'Europe, après celui du Royaume-Uni. Sur le seul continent africain, 23 territoires et pays sont placés sous sa tutelle, dont l'immense majorité se situe, vous le voyez derrière moi, en Afrique du Nord et de l'Ouest, accompagnée d'une légère implantation en Afrique centrale et australe. Mon sujet de thèse, qui débute en 1895 avec la création du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, ne prend en compte dans cet ensemble que les 15 pays suivants. Au travers de leur exemple, il est toutefois possible d'étudier un processus complexe de redéfinition et de colonisation culturelle instauré par les administrateurs dans l'ensemble de ces territoires. Ce phénomène, déjà étudié sur plusieurs aspects de son apparition, n'a jusqu'à présent jamais fait l'objet d'une étude spécifique concernant son impact sur la création artistique. Or, lorsque les colons s'implantent sur le continent, ils rencontrent, en plus des populations, des pratiques, des savoir-faire et des productions avec lesquelles il faut également entrer en relation. C'est le début d'un parcours complexe pour les objets d'art indigène qui passent par une série de métamorphoses les conduisant à changer de symbolique, de statut et d'histoire. En retraçant ce parcours fait de tâtonnements, de luttes, de malentendus, il est donc absolument nécessaire d'aborder l'art africain ni comme une donnée acquise, ni comme une catégorie stabilisée. Je vous propose donc ici de remonter le fil de divers processus interdépendants et d'étudier les acteurs, les événements ou les institutions coloniales qui ont élaboré, mobilisé ou repensé cette notion au cours du temps. L'Empire, qui s'étend, organise et professionnalise la colonisation dans les années 1920, ambitionne de faire des territoires d'outre-mer une part docile et prospère de la nation. L'instauration et la pérennisation de la plus grande France augurent un nouveau rapport aux sociétés africaines, profondément marqué par le développement des sciences ethnographiques. Il faut rationaliser le projet colonial, et l'expansion française, vous l'imaginez, ne peut plus rester aux mains de curieux ou de marginaux désireux d'entamer une nouvelle vie sous les tropiques. Désormais, il appartient à l'État d'organiser et de professionnaliser la colonisation pour faire de l'Afrique le reflet de la mission civilisatrice française. L'Empire érige alors en solution sa politique d'association et sa forme de gouvernement indirect, où l'ethnographe, vous le voyez, remplace progressivement la figure du militaire ou de l'administrateur, trop déconnecté des réalités du terrain. Le tournant culturaliste évoqué par Céline Labrune-Badiane et Étienne Smith, mélange d'humanisme colonial et de néo-traditionalisme plus ou moins conservateur, est amorcé. En effet, la crainte de créer des déracinés, des hommes sans attache, devenus culturellement errants, est une hantise profonde du système colonial. Elle sous-tend d'ailleurs toute la politique globale d'éducation établie dans les colonies. Dans ce contexte, s'entremêlent, vous le voyez, les objectifs contradictoires du projet impérial. Les colons doivent apporter la civilisation à ces peuples et, paradoxalement, craignent l'acculturation dans le domaine du patrimoine qu'ils se sont donné pour mission de protéger, rénover et conserver. Dans un article paru dans la revue Togo Cameroun en avril 1929, l'administrateur colonial Victor Chazla écrit à ce propos, je cite, « Actuellement, l'industrie des peuples primitifs est détruite par l'industrie européenne, de sorte que les capacités et les aptitudes artistiques sont annihilées et les institutions et les idées sociales indigènes souvent anéanties. » Pour pallier cette situation, gouverneurs, missionnaires et administrateurs élaborent un véritable système de colonisation culturelle reposant sur trois piliers fondamentaux : exposition, formation, conservation. Ensemble, ils assignent les arts indigènes à un statut doublement marginal. D'une part, ils proviennent des colonies, espaces perçus comme étant ontologiquement hors du monde moderne. De l'autre, ils ne peuvent incarner qu'une forme de retard culturel, témoignage de traditions déclinantes et condamnées à s'adapter grâce à la présence coloniale, ou à disparaître. Pendant 65 ans, les producteurs et leurs créations sont instrumentalisés au profit de la colonisation et sont pris dans un engrenage qui repose sur trois types d'actions. Préserver les traditions perçues comme authentiquement africaines à travers des objets types conservés dans différentes institutions, comme l'Institut français d'Afrique noire. Rénover les arts, jugés en décadence, et orienter la création vers de nouvelles pratiques, au travers de structures d'enseignement telles que la Maison des artisans soudanais à Bamako. Enfin,
exposer les modèles sélectionnés et les promouvoir en multipliant, en métropole comme dans les colonies, des événements à l'instar de la Foire Exposition de Porto Novo ou l'Exposition coloniale de Marseille. L'administration coloniale, vous le voyez, n'a donc pas toujours nié les civilisations rencontrées, cherchant plutôt ici à régenter et réhabiliter leur culture sous une forme légèrement modifiée. Un phénomène qui n'efface pas, loin s'en faut, la matrice coloniale, mais qui fut plus complexe en réalité qu'une simple négation. À travers l'étude de ces processus, c'est la construction même de cette notion d'art africain qui se dévoile, ce qu'elle rend possible et pensable. Les catégorisations coloniales s'instaurent et se stabilisent en s'appuyant sur les sélections opérées dans ces musées, dans ces expositions et dans ces lieux d'enseignement. Leur dimension performative s'illustre en retour lorsque ces mêmes objets, choisis par les colons, réifient pratiques et cultures. Bientôt, on assimile les Makonde et les Dan à leurs masques, les Kota à leurs reliquaires ornés de feuilles d'or ou les Yombé à leurs inquiétants fétiches à clous. Lorsque les identités culturelles sont ainsi remodelées et consolidées par des conceptions coloniales, une première frontière catégorielle est franchie. Elle sera déterminante pour tout le reste de l'histoire de l'art. C'est le premier temps de l'artification évoqué par la sociologue Nathalie Hennick, qui institutionnalise l'objet comme œuvre, lui confère un nouveau statut, sans pour autant faire de son créateur un artiste, et tente à faire advenir un monde de l'art. À l'instar d'autres catégorisations délicates, celle d'art africain, que l'historien de l'art et plasticien Hassan Moussa qualifie de grand malentendu éthique, ne s'est donc pas limité, vous le voyez, à la désignation d'une nouvelle étape dans une chronologie stabilisée. C'est une catégorie, comme le signale l'anthropologue Cédric Vincent, tout à la fois normative, esthétique et critique, qui puise ses sources au sein même de la matrice coloniale. Mais c'est aussi, tour à tour et parfois simultanément, un label, une appellation, un indicateur de prix ou un dénominateur qui qualifie la pertinence d'une classe d'objets au sein d'un ensemble défini. Au cours des 19e et 20e siècles, notre discipline s'est donc attelée, vous le voyez, à fonder une spécificité artistique, culturelle et identitaire calquée sur une forme de géographie ethnographique de l'art. À ce stade, il faut donc considérer, à la suite de Philippe d'Agen, cette notion complexe qu'est l'art africain, non comme une question purement artistique, mais bien comme un phénomène intellectuel et culturel dont les expressions artistiques ne seraient que l'une des parties. Si l'on considère par ailleurs le volume des études déjà publiées sur les arts d'Afrique, on subit l'impression que la connaissance dans ce domaine est déjà solidement constituée. La vitalité des recherches est absolument remarquable. Des essais sont régulièrement publiés, des études synthétiques, toutes conscientes qu'elles soient de leur relativité, de leur caractère transitoire, tentent des regards d'ensemble sur ce domaine dont la richesse ne cesse d'étonner. Mais il suffit de se poser une question, comme celle qui nous préoccupe aujourd'hui, à savoir celle des héritages coloniaux dans la constitution même de notre discipline, pour se heurter bientôt à l'insuffisance de notre documentation. Cette période charnière, pourtant lourde de conséquences, se présente le plus souvent comme une absence entre deux chapitres dans les livres d'histoire, qui tend à faire oublier que c'est elle qui a produit les labels d'art nègre, d'art primitif, d'art premier, dont découle aujourd'hui celui d'art africain. En élargissant la focale de cette catégorie, il est donc possible d'interroger enfin ce legs qui a trop longtemps été un impensé de l'histoire de l'art. Notre connaissance, encore trop fragmentaire et trop circonstancielle, doit s'ouvrir à une vision élargie et sans tabou, en proposant une approche déhiérarchisée des productions, des acteurs et des événements. Pour saisir la complexité du système colonial de l'art et son rôle dans nos propres catégorisations, il faut donc bien saisir, comme l'avait signalé Édouard Saïd, que la conquête impériale n'a pas été le déchirement d'un voile en un point précis du temps, mais une présence institutionnalisée, continuellement répétée. Et le premier pôle de cette présence institutionnelle, ce sont bien sûr les expositions. Fondamentalement protéiformes et polysémiques, celles qui sont actuellement connues émaillent l'intégralité de la période coloniale et couvrent une grande partie des territoires africains placés sous domination française. Entre 1865 et 1958, pas moins de 57 manifestations sont organisées du Sénégal au Congo français, avec des fréquences plus ou moins variables selon les colonies et les périodes. L'immense majorité d'entre elles se situe toutefois, vous le voyez, en Afrique occidentale française, et notamment au Sénégal, qui représente à lui seul presque 35% de l'activité globale connue.
Dans leur immense majorité, ces événements se calquent sur le modèle des expositions coloniales instituées en métropole depuis celle de Lyon en 1894. Ce type d'exposition qui se développe, comme vous le voyez à l'écran, de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, devient rapidement un standard du genre, tant en Europe que dans les colonies. Rouen, Lyon, Marseille, Paris, Strasbourg, encore La Rochelle, que les villes fassent commerce avec les Outre-mer ou ne profitent que par écho de leurs bénéfices, elles structurent une part essentielle de l'imaginaire colonial à travers leur mise en scène. Un procédé que l'on retrouve ensuite dans les colonies elles-mêmes, où les administrateurs, les missionnaires ou les directeurs d'institutions élaborent des événements similaires, comme ceux que vous avez à l'écran, pour mettre en valeur les richesses de leur territoire. La mise en exposition, comprise ici entre compendium commercial et promesse d'avenir, se veut une preuve de la pacification des pays africains et de leur évolution sous la tutelle française. À travers leur mise en scène, le choix d'objets jugés représentatifs ou l'exposition des producteurs eux-mêmes, les contours de l'art africain se précisent, se réduisent et se resserrent, jusqu'à former bientôt une catégorie étanche. On bannit pour ce faire les objets rares ou uniques au profit d'une certaine banalité et de la multiplicité des productions qui servent bien sûr à l'essentialisation des cultures et des pratiques. Les objets coloniaux dans ce contexte, comme le souligne Christelle Lozère, deviennent alors des objets sérialisés, présentés par rapport à une position au sein d'une série du même genre, afin de créer un langage dialectique. Langage qui se retrouve également, vous l'imaginez, dans les sélections des objets qui intègrent en parallèle les musées coloniaux. Dans les colonies françaises, il faudra attendre les années 1930 pour qu'apparaisse, selon l'historienne Anne Gaugue, une véritable politique muséale. Joseph-François Reste, gouverneur du Dahomey, fait ainsi rénover et transformer, en 1930, les palais des rois Guézo et Glélé d'Abomey en musée public. Et dès 1936, l'administrateur Albert Charton inaugure à Dakar l'Institut français d'Afrique noire. Bibliothèques, archives, musées, tout est pensé pour faire de ces institutions des centres de production et de diffusion de savoir sur l'Afrique, avec une volonté transdisciplinaire nettement affirmée. Entre 1920 et 1940, ce modèle de l'IFAN est repris et adapté sous forme d'antennes locales dans les autres colonies, émaillant ainsi le territoire d'un réseau muséographique très dense. En l'espace de quelques années seulement, nombre de pays disposent ainsi de leur propre institut, qui dépend bien sûr de la maison mère dakaroise. Le premier à voir le jour est celui de Porto Novo, dès 1942. Il est suivi en 1944 par ceux de Conakry, Niamey, Bamako, Abidjan, puis en 1950 par les centres de Saint-Louis et Ouagadougou. Enfin, en parallèle de ces institutions, il faut évoquer rapidement les structures de formation et d'enseignement qui se multiplient dans les colonies, entérinant encore ce projet impérial de sauvegarde, voire de résurrection des pratiques indigènes. Entre 1903 et 1951, une centaine de lieux d'enseignement, communément dits « professionnels », aux objectifs, directions et moyens variés, sont fondés, vous le voyez, dans 12 colonies d'Afrique française. Sur l'ensemble, l'immense majorité des lieux connus à ce jour sont majoritairement répartis en Afrique de l'Ouest. Écoles régionales, d'apprentissage, missions religieuses, ateliers ou maisons des artisans sont la conséquence directe du discours colonial qui martèle sans cesse, comme le souligne Dominique Gérassé, que toutes les industries d'art indigènes sont en perdition, que les maîtres disparaissent et que la camelote d'importation y contribue. La patrimonialisation de l'artisanat se couple ici à un double projet de préservation et d'amélioration des pratiques, garanti et contrôlé par le gouvernement. Un projet que l'on retrouve jusque dans les dessins d'enfants, dont le musée du Quai Branly conserve quelques exemplaires issus de l'école primaire supérieure de Bingerville. Réalisés entre 1934 et 1935, ils sont signés par des élèves allant de la première à la troisième année et représentent, selon les sujets imposés par les colons, la faune, la flore ou encore des objets rituels, dans le plus grand respect toutefois des règles du dessin académique. Je ne m'étendrai pas sur ce corpus, qui a déjà fait l'objet d'une étude par Mathilde Allard dans l'ouvrage « Les arts coloniaux », qui m'amène à évoquer plus largement l'historiographie récente autour de ces problématiques. Depuis l'exposition coloniale que vous avez à l'écran, 1920-1945, organisée en 1989 au musée des années 30, ce champ d'études n'a cessé de s'enrichir et de s'étoffer. Un domaine notamment développé par le Centre François-Georges Parizet, dont la dernière publication, « Les arts coloniaux », dirigée par Dominique Gérassé et Sarah Ligné, s'attache à questionner et déconstruire ces héritages.
Un projet, vous le voyez, qui s'inclut dans une généalogie d'expositions et de travaux, parmi lesquels il faut encore citer nos artistes aux colonies ou expositions et cultures coloniales. Pour être représentatif toutefois de la vitalité de ce champ, je ne peux pas passer sous silence les propositions du musée du Quai Branly, avec notamment « Du Jourdain au Congo, art et christianisme en Afrique centrale » ou encore la très belle exposition « Peinture des lointains ». Plus récemment enfin, les ouvrages de Cédric Vincent ou Isidore Pascal Ndjok Niobe ont engagé des réflexions essentielles en proposant des analyses riches et nuancées autour des mondes de l'art coloniaux et post-coloniaux. À l'heure où l'on assiste à des débats virulents, à des initiatives polémiques, à des projets de restitution sans précédent, ce travail de déconstruction historique, encore peu courant, s'avère indispensable. Il entend lutter contre une tendance générale au déni, tout en contribuant, à sa manière, à l'apaisement de mémoires en conflit. Ce travail, engagé depuis des années par des chercheurs, des institutions, doit être entendu au sens d'une meilleure compréhension du substrat impérialiste qui sédimente l'histoire de l'art de la fin du XIXe siècle, mais aussi des déterminismes hérités de la colonisation qui teintent en partie celle des XXe et XXIe siècles. En ce lieu, et en ce lieu seulement, se situe la nécessaire décolonisation de notre discipline, beaucoup évoquée à l'heure actuelle et souvent mal comprise. Un réexamen de nos catégories reste à faire, sans colère ni jugement. Un réexamen qui ne peut en aucun cas conduire à des modifications, lorsque l'histoire ne convient plus, à des actes de vandalisme envers le patrimoine, ou à une condamnation hâtive et sans nuance de toute l'époque. S'il ne nous appartient pas de réécrire l'histoire, il est de notre devoir, en revanche, d'établir les conditions d'une analyse et d'une compréhension plus sereine des héritages coloniaux. Pour que les arts passés, comme à venir, de cette Afrique multiple et une, chère à Aimé Césaire, trouvent enfin leur place dans une histoire qui les réunisse. Je vous remercie. Merci beaucoup Paloma pour cette présentation qui compte bien les enjeux de cette session. Je propose, gardez vos questions pour dans une heure. On prendra toutes les questions à la fin de cette session. Et j'invite Quentin Richard maintenant à venir sur scène. Quentin Richard, vous êtes tout jeune doctorant contractuel à Paris 1, puisque c'est ça fait quelques semaines. À peine 3 semaines, donc tout neuf. Et avant cela, vous aviez obtenu un master de recherche à l'École du Louvre en 2020, et votre mémoire portait sur les motifs vestimentaires représentés sur les figurines en terre cuite béotienne et attique aux époques archaïques et classiques. Et un travail qui va donner lieu à 2 publications. Et vous êtes également chargé de travaux dirigés et de travaux pratiques à l'École du Louvre dans la spécialité Histoire de l'art et archéologie du monde grec. Et votre communication est intitulée « Quelle terminologie employer dans les études contemporaines ? L'exemple des difficultés autour de la définition du costume grec antique ». Et vous allez nous parler de votre travail sur la façon de se libérer d'une terminologie vestimentaire héritée du 19e siècle. C'est ça. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci également beaucoup aux organisateurs pour cet événement. Et je suis ravi d'avoir l'occasion de présenter mes premières recherches aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a ? Pardon ? Ouais. Je ne sais pas si je l'ai prise. Désolé pour... sous forme PDF ou sous... Tac.
c'est bon. Toi. Merci beaucoup. De rien. J'ai donc construit cette communication un petit peu comme un retour d'expérience du travail que j'ai mené durant mon mémoire de recherche à l'École du Louvre, où je m'étais concentré sur la représentation du vêtement et essentiellement sur la représentation des motifs vestimentaires sur les figurines en terre cuite, sous la direction de Brigitte Bourgeois et de Violaine Jamais. Et très tôt, au cours de ce travail, je me suis retrouvé confronté à ce problème de la terminologie qui, aujourd'hui, peut sembler plus exactement adapté. Et je proposerai donc de réfléchir à partir d'un exemple assez précis et assez centré sur le monde grec, comment nous devons aujourd'hui au moins questionner cette terminologie qui est le plus souvent issue d'une tradition historiographique assez longue. Je voudrais commencer ma présentation par cette citation de Bernard de Montfaucon qui, il y a presque 300 ans, affirmait qu'il n'est guère de partie de l'Antiquité plus curieuse et plus intéressante que celle des habits, et il n'en est point aussi de plus obscure. On est également embarrassé de savoir la forme d'un grand nombre d'habits dont les auteurs tant grecs que latins font mention, et de découvrir comment s'appelle un grand nombre d'autres habits dont les monuments montrent la forme sans en prendre le nom. Il est intéressant de montrer que presque 300 ans après cette citation, les mêmes problèmes demeurent. Il est très difficile de relier les sources textuelles, les sources épigraphiques, aux documents iconographiques dont nous avons aujourd'hui de nombreux éléments. Une autre difficulté dans l'étude du costume de la Grèce antique est que celui-ci a presque intégralement disparu. En effet, le vêtement grec est composé essentiellement de laine, de lin, de matériaux organiques, ce qui a pour conséquence que seulement après quelques siècles, ceux-ci ont absolument totalement disparu dans le monde grec. Leur contact avec des éléments métalliques, c'est-à-dire un contact direct et prolongé, permet le plus souvent de conserver quelques fils qui nous sont apparus sous une forme minéralisée, mais celle-ci ne permet donc pas d'étudier pleinement ce vêtement grec. Il y a évidemment quelques exceptions, comme le textile de Vergina, à votre droite, qui a été retrouvé dans l'antichambre de la tombe dite de Philippe II, et qui est un des seuls exemples de textile grec qui nous soit aujourd'hui parvenu, présentant une ornementation et un état de conservation qui est assez remarquable. La découverte de ce textile a véritablement relancé les études sur le textile grec antique, en apportant une approche véritablement différente. Néanmoins, ces éléments ne permettent donc pas d'étudier pleinement et d'étudier directement l'ensemble du costume grec antique, et nous devons donc nous tourner vers des sources indirectes. La première, comme j'ai déjà mentionné, est évidemment l'iconographie, avec tous les problèmes qu'elle pose. Quel est le degré de stylisation? Quel est le degré de convention? Est-ce que ces artisans respectent fidèlement les vêtements qu'ils voient, ou est-ce qu'au contraire, ils les stylisent? Je propose donc de me concentrer sur ces questions dans le projet de thèse que je viens tout juste de commencer. Mais aujourd'hui, je voudrais plus particulièrement vous parler de l'épigraphie et des termes qui nous sont aujourd'hui parvenus et dans quelle dimension, dans quelles conditions ils peuvent aujourd'hui être repris dans l'historiographie moderne. Des termes mentionnant les vêtements, mentionnant les formes de vêtements, mentionnant des techniques de création sont nombreux. Il y a les travaux de George Losfeld qui, même s'il est poète et que ses travaux ont été très largement critiqués, a au moins le mérite d'avoir fait un recensement précis de tous les termes en lien avec le textile grec qui nous sont aujourd'hui parvenus. Il en dénombre environ 360. Évidemment, on ignore quasiment le sens de quasiment tous ces termes. Nous avons ces termes, il a pu les relever essentiellement dans les textes antiques, que ce soit par exemple évidemment les textes homériques qui ont eu une importance essentielle dans le monde grec, mais aussi dans les témoignages des auteurs classiques, tout en gardant à l'esprit que la majorité de ces textes sont athéniens et qu'ils ne reflètent donc qu'une partie de la langue grecque et qu'une partie de ce vocabulaire vestimentaire. Nous avons également une source essentielle dans la personne des inventaires de temples. Les prêtres, pardon, au sein des temples grecs prenaient soin afin de ne pas être accusés d'avoir détourné les offrandes ou les richesses du temple, de mentionner sur des stèles en marbre faites à la vue de tous des listes d'offrandes qui avaient été offertes au sein de ces sanctuaires.
Nous avons notamment les listes qu'on appelle listes du Broron, qui viennent du sanctuaire d'Artemis Broronia sur l'acropole d'Athènes, dans lequel les jeunes filles, avant leur mariage ou après la naissance d'un enfant, venaient offrir leurs vêtements. C'est vraiment une source essentielle pour mon étude, puisque même si tous ces vêtements aujourd'hui ont malheureusement disparu, on conserve au moins des descriptions, des mentions. Ce qui pose aussi une autre difficulté. Comment expliquer ces termes? À quoi se rapportent-ils? Est-ce qu'ils mentionnent tous des vêtements? Ou est-ce qu'ils ont un sens plus étendu en mentionnant des couronnes, des bijoux? Et nous ignorons, il est vraiment aujourd'hui très difficile de relier ces deux sources, que ce soit les sources écrites, les sources épigraphiques, à ce qui est représenté et ce que nous voyons sur ces sources iconographiques. Lorsque j'ai commencé mon travail de master, pour moi, cette question de la terminologie était assez claire. J'avais appris durant toute ma licence qu'il y a trois formes de vêtements grecs, que nous avons le chiton, qui est un vêtement en lin qui produit des plis fins, que le peplos est une tunique en laine beaucoup plus lourde, beaucoup plus épaisse, et que l'imation est un manteau. En réalité, l'utilisation de ces trois termes pose problème. Et cette omniprésence, cette récurrence de ces trois termes dans l'ensemble de l'historiographie moderne pose des problèmes également. Le premier, celui de Peplos notamment, est issu d'une tradition qui remonte jusqu'au XVIIe, lorsque l'humaniste français Claude Sommez fait de ce terme un vêtement, mais le limite seulement aux vêtements d'Athéna. Il faut attendre le XIXe siècle, avec les travaux de Franz Tuzniska, qui propose de voir dans le terme « peplos » la racine étymologique qui est aussi également présente dans le terme « pala » ou « pallium » dans le monde romain, et donc il le lie, ce vêtement, à la laine, et en fait donc exclusivement un vêtement en laine. Aujourd'hui, nous pouvons voir que si on prend en compte l'ensemble des sources épigraphiques et littéraires, que ce terme « peplos » est utilisé de manière beaucoup plus large et de manière beaucoup plus vaste. En effet, par exemple, dans les textes homériques, ce terme de peplos est utilisé pour désigner des couvertures, des bâches qui sont étendues sur l'écharpe pour les protéger. Et on ne doit donc sûrement pas comprendre ce terme de peplos uniquement comme une tunique en laine qui est ceinturée à la taille et fixée aux épaules, mais le comprendre de manière beaucoup plus large. En effet, ce terme de peplos devait désigner une pièce de tissu qui pouvait servir donc à différentes choses. On sait également que dans le monde grec, il n'y a pas de vêtements formés en tant que tels. Nous avons des pièces de tissu qui sont arrangées pour être portées, mais que les mêmes éléments textiles peuvent être également utilisés comme des couvertures, également comme des tentures, être accrochées au mur, et que la forme et la fonction de ces textiles peut changer tout au cours de leur vie. Le terme de chiton, lui aussi, est héritier d'identification faite par des auteurs allemands au XIXe siècle, notamment en la personnalité de Wolfgang Helbig en 1884, qui reconnaît dans ce terme chiton un vêtement fin qui aurait des origines orientales. Là aussi, cela pose des difficultés de compréhension, puisque nous ignorons, il est très fort probable que ce vêtement en lin ne soit pas en lien direct, ne soit pas une importation directe de ce monde oriental. Si ces termes sont donc bien attestés dans les sources antiques, on sait très bien, c'est les termes de peplos, chiton, imation, si on a proposé de les reconnaître au XIXe siècle, donc essentiellement les auteurs allemands, qui ont surtout travaillé sur la définition de cette terminologie, c'est qu'ils se basent essentiellement, quasiment uniquement, sur des textes antiques. Et en effet, ces termes sont assez récurrents, reviennent assez souvent, et sont attestés de nombreuses fois. Mais nous ignorons vraiment à quoi ils pouvaient se référer exactement. Nous n'avons pas des descriptions d'auteurs très précises. Nous avons simplement des mentions d'une divinité qui porterait un peplos, par exemple. Et en faisant un lien avec l'iconographie aussi, on voit que Athéna, par exemple, porte un vêtement en laine assez lourd, et c'est pour ça qu'on a fait ce rapprochement. Mais comme tu viens de le dire, ça pose également des problèmes. Le problème, c'est aussi que cette terminologie établie au XIXe siècle a été très largement reprise, quasiment sans critique. Il y en a évidemment quelques-unes, comme par exemple Léon Heuzey, qui en 1922 disait qu'une
en parlant du costume grec, qu'une nomenclature surabondante, parfois satirique ou fantaisiste, encombre le sujet plutôt qu'elle ne le débrouille. Ce témoignage assez clair, assez direct, montre toutes les difficultés qu'on a à reprendre cette terminologie pour décrire les vêtements présents sur les œuvres d'art. Cependant, même si Léon Heuzet adresse cette pique assez directe envers ses collègues allemands, il ne propose pas d'autres terminologies et se contente simplement de reprendre celle qui est déjà établie tout en la critiquant. En effet, l'utilisation de ces termes est véritablement récurrente dans l'historiographie moderne, à tel point qu'aujourd'hui, beaucoup d'auteurs utilisent ces termes sans les définir, comme si leur définition ne posait aucun problème et était comprise par toutes. Il y a également d'autres problèmes à l'utilisation de ces termes antiques dans les études modernes. Tout d'abord, le vocabulaire de la Grèce antique est véritablement caractérisé par une richesse sémantique. En fonction du contexte, en fonction de son utilisation, le sens et la fonction d'un terme peuvent varier de manière drastique. J'en veux par exemple le terme de poikilos. Poikilos qui est utilisé dans le domaine du costume antique pour désigner des vêtements riches de couleurs. Cependant, le même terme est utilisé pour décrire la peau d'un serpent qui peut refléter, aussi pour décrire les plumes d'un oiseau, toujours dans cette idée de reflet, dans cette idée de brillance, mais également pour désigner la ruse d'Ulysse, pour souligner le fait qu'elle est assez travaillée et qu'elle est vraiment sophistiquée. Donc vraiment un même terme utilisé dans des contextes différents, par des auteurs différents, peut recouvrir des sens très variés. Et ils ne font donc pas cantonner ces termes de peplos kiton à un sens précis qui vaudrait de l'époque mycénienne jusqu'à l'époque hellénistique. C'est également un autre problème. Nos sources sont essentiellement concentrées sur l'Athènes classique et sur l'époque homérique, dont les textes ont été de nombreuses fois repris et retravaillés. On ignore donc si un même terme a la même signification tout au long de cette histoire grecque. Est-ce qu'on peut parler de peplos déjà à l'époque mycénienne et est-ce qu'à l'époque hellénistique, ce terme est toujours valable? Il y a également, comme j'ai déjà souligné, un autre problème. Ces auteurs sont quasiment tous athéniens. Est-ce que les termes utilisés à Athènes sont valables dans tout le monde grec? Est-ce qu'il n'y a pas des différences entre Athènes notamment et l'Ionie, la côte turque, ou pour aller dans l'autre extrême, la Grande Grèce, c'est-à-dire le sud de l'Italie actuelle? Nous pouvons donc questionner la pertinence de ces termes et au moins les montrer qu'il y a sûrement des différences. Un autre problème, c'est également que ces trois termes que j'ai mentionnés précédents sont quasiment les seuls utilisés. J'ai dit qu'on estime qu'il y a environ 360 termes grecs aujourd'hui connus, on ignore sûrement une grande partie, qui se rapportent au textile. Et cette incroyable diversité est totalement effacée derrière ces trois termes. J'en veux par exemple un extrait des termes que j'ai pris dans l'Assemblée des femmes de Aristophane, où l'auteur, à quelques vers de différence, mentionne ces quatre termes. Donc, imation, celui-ci est bien connu, devrait désigner un manteau, mais également hémidiploïdon, crocotidion, ecuclon. Dans les traductions modernes, ces quatre termes sont définis comme étant un manteau. On ignore quasiment totalement les variétés, en tout cas les différences qui pouvaient exister entre ces quatre termes. Aujourd'hui, enfin, si ça semblait assez clair pour un Athénien du 5e siècle, pour que l'auteur n'ait pas besoin de préciser les différences de chacun, aujourd'hui, on se contente simplement de reprendre celui d'Imation en ignorant les autres. Il y a donc un problème central, que ce soit essentiellement dans mon étude. Vu que les termes issus de la langue grecque posent problème, qu'ils sont au mieux imprécis, voire dans certains cas totalement erronés. C'est le cas, je ne l'ai pas mentionné, mais du terme d'apoptygma. Apoptygma, c'est un terme qui désigne le repli du vêtement sur la poitrine, qui a là aussi été proposé par des auteurs allemands au XIXe siècle, et des travaux de chercheurs américains dans les années 1940, notamment Gisela Richter, a réussi à montrer qu'en fait, ce terme d'apoptygma était totalement étranger au terme à l'ensemble des costumes grecs, et qu'il désignait seulement la poitrine féminine. Et malgré cette découverte, qui donc est quand même assez ancienne, on continue aujourd'hui d'utiliser ce terme d'apoptygma, toujours pour désigner ce repli du vêtement. Ce qui pose donc une question qui est vraiment centrale et sur laquelle je m'étais arrêté assez longuement durant mon étude. Comment pouvons-nous décrire l'ensemble des vêtements
qui sont représentées sur les sources antiques, quelles qu'elles soient, sous toutes leurs formes, que ce soit les figurines en terre cuite, qui est le médium sur lequel je me suis principalement intéressé, mais aussi sur les vases, les bronzes, les statues. Il y a 4 solutions qui sont apportées. C'est un débat vraiment actuel. Le premier propose de continuer à utiliser de manière conventionnelle ces termes qui sont hérités d'une historiographie assez ancienne. Ça a au moins l'avantage de ne pas créer une rupture avec ces études anciennes, mais ça pose également un problème. Pourquoi, puisqu'on sait que ces termes sont faux, voire imprécis, pourquoi continuer à les utiliser ? Cela pose sûrement plus de difficultés d'échange entre les chercheurs qu'autre chose. On peut également avoir une autre proposition, avoir recours à une autre terminologie, une terminologie étrangère à l'ensemble de ces chercheurs européens. C'est notamment ce qu'a proposé Lloyd Lewis-Jones, qui a proposé une étude sur le voile dans le monde grec antique. Et là aussi, il fait le même constat. Face à la diversité des voiles qui sont représentés dans le monde grec, il n'y a qu'un seul terme qui est connu et bien attesté. Il propose donc d'avoir recours à une autre terminologie et propose dans son étude d'utiliser des termes issus de l'arabe, tels que châle, litam ou marmouk. Cependant, cela pose également un autre problème. Ces termes issus de l'arabe doivent aussi être clairement définis, ce qui n'est pas le cas. Donc il rajoute, entre guillemets, des termes assez peu définis sur d'autres problèmes de compréhension et de traduction. Une troisième hypothèse, un troisième axe de recherche assez complexe, est celui de l'ontoterminologie, qui est une solution proposée par Maria Papadopoulou et Christophe Roche, qui propose d'établir un nouveau paradigme théorique qui combine à la fois la terminologie d'un domaine avec son ontologie, c'est-à-dire sa conceptualisation. C'est donc une démarche linguistique et conceptuelle assez complexe qui propose de définir environ 250 termes liés ou mentionnant directement le costume antique qui seront rassemblés dans un logiciel informatique. C'est un travail assez long et assez complexe. Et dans le cadre de cette communication, je voudrais reprendre l'exemple, en tout cas l'axe de recherche qui a été proposé par Sophie Ferret dans le cadre de sa thèse en 2018. Elle s'est intéressée aux statuettes en terre cuite de l'époque hellénistique en Italie. Et assez tôt dans son travail, elle mentionne que la principale difficulté de sa thèse était de décrire le vêtement représenté sur ces figurines. Elle propose donc de mettre de côté ces termes grecs qui sont soit mal compris, mal définis, pour utiliser des termes génériques, comme par exemple tunique, au lieu de parler directement de peplos ou de chiton, parler de manteau, au lieu de parler d'imation. Elle propose donc une terminologie descriptive qui au moins se veut neutre, qui évite des erreurs de traduction, des erreurs de compréhension et qui facilite grandement les échanges entre les chercheurs. Cette démarche, c'est ce que j'ai essayé de montrer dans mon travail de master, cette démarche doit être étendue à l'ensemble des études du costume grec qui décrivent des vêtements. Cela permettrait donc d'éviter des erreurs de compréhension, permettrait de mettre de côté les termes grecs qui sont mal définis, mal compris, mais il ne faut pas tomber dans l'autre extrême et rejeter totalement ces termes grecs. On peut les conserver dans certains cas, lorsque ceux-ci sont bien compris, lorsqu'on a un nombre de sources assez important. Je pense par exemple au peplos qui a été offert à Athéna lors des grandes panathénées, où nous avons un grand nombre de sources athéniennes qui nous permettent assurément de savoir que le vêtement qui était offert à Athéna portait le nom de peplos, au moins pour le 5e siècle. Les difficultés autour de la terminologie de mon sujet s'appliquent donc essentiellement à un domaine assez précis. Je me suis surtout concentré sur le vêtement grec. Mais celui-ci devrait être étendu à d'autres disciplines. Enfin, on doit regarder vers d'autres disciplines afin de voir comment celles-ci règlent leurs propres questions de terminologie. Je me suis notamment orienté beaucoup vers l'anthropologie, avec notamment les travaux de Yves Delaporte, qui, lui, même s'il ne s'intéresse pas du tout au monde antique, souligne pour des sociétés diverses que le flou terminologique qui règne dans les études consacrées au costume et qui est peut-être une des causes des difficultés entre les chercheurs. Il mentionne notamment ces difficultés d'échange. Ces problèmes de terminologie posent également la question des termes que nous pouvons employer
pour décrire des productions de sociétés anépigraphiques. Je pense notamment au monde étrusque, même si la langue étrusque, même si les étrusques avaient une langue, celle-ci est assez mal comprise, ce qui fait que les étruscologues ont le plus souvent recours à des termes grecs pour décrire des vêtements étrusques. Donc là, on a vraiment à chaque fois un empilement de problèmes où les définitions des termes grecs, qui sont toujours encore que des hypothèses, sont reprises comme étant des affirmations par d'autres recherches qui posent encore des problèmes supplémentaires. Il y a donc un regard et un travail commun entre les disciplines d'histoire de l'art, d'archéologie, d'anthropologie, comme je l'ai déjà dit, mais également d'ethnologie, de sociologie. J'étais également beaucoup intéressé notamment aux travaux de Roland Barthes, qui propose de définir les costumes dans nos sociétés actuelles. Ce que j'ai essayé de montrer à travers de cette communication, c'est que chaque étude en histoire de l'art ou en archéologie se doit donc de reposer sur une terminologie qui doit être bien définie, et que même si celle-ci, à première vue, peut sembler simple, puisqu'elle est ancienne et donc elle a été reprise par tout le monde, elle se doit toujours d'être remise en question ou au moins questionnée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci Quentin pour cette communication. Alors peut-être rester sur scène, parce qu'on a un peu d'avance sur le programme, vous tenez tous tellement bien le timing qu'on a une petite demi-heure, donc peut-être déjà commencer à vous soumettre, ou on enchaîne directement ? D'accord, très bien, ben, on enchaîne, parfait. Et donc pour conclure cette première série de communications, et avant donc la discussion, je laisse la parole à Suzanne Martin-Vigier. Donc Suzanne Martin-Vigier, vous êtes titulaire d'un master recherche en histoire de l'art obtenu à la Sorbonne, et vous êtes aujourd'hui doctorante en histoire de l'art sous la direction de Claire Barbillon et Isabelle Saint-Martin. Et en 2020, vous avez été lauréate du concours Immersion. Vous avez travaillé à l'INHA dans le cadre du projet de numérisation du fonds Barry. Vous êtes également chargée de travaux dirigés devant les œuvres et de travaux pratiques à l'École du Louvre. Et donc votre communication, Valoriser l'art religieux populaire, un chemin de croix, s'intéresse à la réception et à la patrimonialisation complexe des objets de dévotion produits en France au XIXe siècle et au nécessaire travail interdisciplinaire pour leur étude. J'appuie sur les flèches pour faire... D'accord. Bien, donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaiterais remercier le comité d'organisation du Congrès, ainsi que l'INHA, de m'avoir permis de partager cette communication avec vous aujourd'hui. Et je me réjouis de pouvoir le faire de vive voix et en face à face. Je ne vais pas revenir du coup, je ne vais pas me représenter puisque vous l'avez fait très bien, merci beaucoup. Je travaille donc sur les objets de dévotion privée au XIXe siècle en France et je souhaiterais donc parler de la délicate valorisation de cet art religieux populaire privé avec vous aujourd'hui. Alors, l'étude de l'art religieux populaire au XIXe siècle en France offre aux chercheurs et aux chercheuses de nombreux défis à relever et débute par un constat qui est que ces objets de dévotion, dont vous avez quelques exemples à l'écran, souffrent d'une patrimonialisation encore ambiguë et délicate, liée principalement à leur nature. Que ce soit dans l'espace muséal ou au sein du champ universitaire, les productions religieuses populaires sont en équilibre instable, tiraillées entre l'étude anthropologique, qui néglige souvent leur aspect artistique, et entre l'histoire de l'art, qui fait abstraction de la fonction rituelle de ces objets. Au sein des institutions, ces objets relèvent souvent d'un type de musée bien particulier, dont nous reparlerons. Et dans les ouvrages universitaires, ils sont soit étudiés par des anthropologues, soit par des historiens et des historiennes de l'art, mais la synthèse des deux approches est rare. L'attrait du marché de l'art, quant à lui, est réel pour ces objets. En témoignent les ventes fréquemment organisées par des maisons renommées, des maisons de vente renommées comme Drouot ou Debecq et Associés, qui rassemblent amateurs et collectionneurs avertis.
Mais la couverture des catalogues de vente souligne également la perpétuation d'une catégorisation qui enferme ces objets dans un certain type de label qui leur interdit toute promotion, à savoir la mention de curiosité. Enfin, l'accès aux sources est souvent déterminé par l'accord d'acteurs privés et repose sur un travail d'enquête et de confiance pour le chercheur ou la chercheuse. Et c'est ici qu'intervient l'un des enjeux de cette valorisation de l'intime, finalement, puisque je suis cantonnée à la sphère privée dans mon sujet d'étude, à savoir l'étude des patrimoines familiaux qui sont méconnus et d'autant de pratiques personnelles qui, mises côte à côte, permettent de mettre en lumière des habitus révélateurs d'une société, en l'occurrence la nôtre. L'autre enjeu est de nature épistémologique. Et de ce point de vue, l'étude des objets de dévotion privée met les disciplines que sont l'histoire de l'art, l'anthropologie, l'archéologie même, devant un fait accompli, à savoir qu'elles peuvent et doivent travailler ensemble afin d'enrichir au mieux la connaissance que nous avons de ces objets et par là de nous-mêmes. Alors, vous me pardonnerez, je l'espère, d'avoir cédé à un bon mot un peu facile dans la rédaction du titre de cette communication. Je vous remets juste la première slide, un chemin de croix. Bon mot facile, mais néanmoins pertinent, car il souligne la difficulté, encore une fois, pour le chercheur, de valoriser l'art religieux populaire en tant que sujet d'étude. Et avant même de parler de valorisation, il faudra aborder la question de la catégorisation de ce type d'objet, ce qui, vous allez le voir, n'est pas une mince affaire, si vous me permettez l'expression. Alors, je vais me livrer à un petit exercice un petit peu scolaire, mais cela va servir mon propos. Si nous prenons par exemple cet objet que vous avez à l'écran, alors il s'agit d'une statuette typique des statuettes religieuses en plâtre du 19e siècle. Vous voyez qu'il s'agit d'une Vierge à l'enfant, donc une iconographie assez courante, hein, même très courante. La Vierge soutient l'enfant Jésus de son bras gauche, elle est vêtue d'une robe orange et d'un manteau jaune parsemé d'un semis d'étoiles dorées, et sous ses pieds, une nuée avec trois têtes de chérubins. Vous notez le plat polychrome, il est difficile de passer à côté, et l'adjonction d'un bouquet artificiel fait de fils métalliques et de fleurs de papier dans sa main droite. Ce type d'adjonction dans un matériau différent aux statuettes en plâtre est très courant d'ailleurs dans ce type d'objet. Plus spécifiquement, ce type de statuette polychrome se nomme Santibelli. Elles étaient commercialisées par des colporteurs italiens qui traversaient la frontière, qui traversaient les Alpes, pardon, pour les vendre en France notamment. Vous en trouvez ainsi beaucoup dans la région Rhône-Alpes, mais aussi dans tout le sud de la France. Le nom vient de l'habitude qu'avaient prise ces colporteurs de crier « Santibelli », donc les beaux saints en italien, pour attirer le chaland dans les rues. Et ces Santibelli sont très souvent reconnaissables à leur couleur très vive, comme vous le voyez ici. J'en viens à ma catégorisation avec une question un petit peu abrupte. Est-ce de l'art ? Vous avez ici un objet qui est réalisé en plâtre. Le plâtre au 19e siècle est un matériau plutôt d'étude, d'ébauche. Vous avez ici un objet de série. Le 19e siècle est le siècle de l'industrialisation, tout court, mais également des objets d'art. Et cet objet a-t-il encore un sens et une aura au sens benjaminien du terme, puisqu'il a été reproduit des milliers de fois? Vous avez un objet auquel n'est rattaché aucun nom d'artiste, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas derrière sa réalisation, bien évidemment, un artiste ou un artisan, parfois de formation académique. On a des sculpteurs qui ont fait les beaux-arts et qui ensuite rentrent au service de manufactures d'art chrétien. Et j'en profite pour vous souligner qu'à chaque fois qu'ils rentrent dans ce type de manufacture, on ne parle plus d'eux du tout. Voilà. Voilà. Donc si c'est de l'art, que faire de la dimension rituelle et dévotionnelle de cet objet, but premier dans lequel il a été créé? Ce qui nous amène à une autre question, et nous sommes en plein cœur de la catégorisation. Doit-on avant tout regarder cet objet comme un objet de dévotion ou comme une œuvre d'art? Je laisse la question en suspens, nous y reviendrons tout à l'heure. Vient ensuite la question de la valorisation patrimoniale.
Il existe bien évidemment des institutions et d'autres acteurs de tout type qui conservent et exposent les objets religieux populaires. Alors en premier lieu, les musées d'art sacré, qui sont nombreux sur le territoire français, les associations et les particuliers. Je tiens à souligner ici le travail remarquable qu'ils font, car sans eux, bon nombre de ces objets, et c'est d'ailleurs encore malheureusement le cas, sont détruits ou disparaissent. Mais il n'en demeure pas moins que tous ces acteurs restent très cantonnés à leur domaine. Avec peut-être une exception, vous avez a priori tous et toutes entendu parler du MUCEM, donc le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à Marseille, mais j'en profite tout de même pour vous signaler que le MUCEM est ce que l'on appelle un musée de société, qui est une terminologie culturelle apparue dans les années 90 et qui regroupe des musées tels que les écomusées, les musées d'art et traditions populaires, ce qui nous concerne en l'occurrence, les musées d'ethnographie, d'histoire ou encore d'industrie qui ont vocation, je cite, à évoquer l'évolution de l'humain dans sa société. Bien, soit, mais il n'est ici pas question, en tout cas dans cette terminologie, d'art. Sur le papier, cela est évidemment, enfin sur le papier et concrètement, cela est très louable, mais dans la réalité, cette patrimonialisation est encore assez épineuse. Je vais vous donner un exemple et je dois en passer par un petit récit personnel, vous m'en excuserez, pour illustrer cette difficile cohabitation entre l'art religieux populaire et l'art dit plus officiel, entre guillemets. L'année dernière, j'ai eu la chance de rencontrer Claire Denis, qui est l'une des petites filles du peintre Maurice Denis. Et je tiens d'ailleurs à la remercier chaleureusement, ainsi que Fabienne Stahl, qui est conservatrice au musée Maurice Denis de Saint-Germain-en-Laye, de m'avoir reçue avec beaucoup de gentillesse. J'ai passé une après-midi entière à passer en revue une bonne centaine d'objets de dévotion privée ayant appartenu à Maurice Denis, et vous en avez quelques-uns, une infime partie seulement à l'écran. Objets qu'il avait achetés au gré de pèlerinages ou bien qu'il avait hérités de sa famille. Et au bout d'un certain temps, émerveillée par ce trésor, à mon sens, je demande à Fabienne Stahl si ces objets sont exposés au musée Maurice Denis, donc de Saint-Germain-en-Laye. Elle me répond que non, parce que le voisinage de ce type d'objets, donc vous avez ici à l'écran par exemple des bénitiers en faïence, des crucifix, comme vous pouvez le voir, et des figurines sous globe, et il y a aussi des chapelets, etc. Elle me répond que non, que le voisinage de ce type d'objets avec les toiles du peintre Nabi, ne serait a priori pas bien reçue par le public. Et elle rajoute qu'aucune DRAC ne voudrait accueillir ce genre de dépôt, et que c'est un fait, puisqu'elle a essayé et qu'elle a toujours essuyé des refus. Voilà. Donc, ce sont pourtant des objets qui faisaient partie du quotidien de Maurice Denis, qui était très pieux, et qui ont également inspiré certaines de ses œuvres, puisqu'on va retrouver certains de ses objets dans ses tableaux. Mais pour autant, leur exposition demeurait, en tout cas à l'époque, impossible. J'en viens maintenant à un paradoxe. Si vous allez au Louvre voir les collections antiques, vous verrez une foule d'objets de dévotion, de même que la grande majorité des pièces présentées au musée du Quai Branly ont une destination rituelle. Et c'est ici que l'on en arrive à ce qu'on pourrait appeler une forme de patrimonialisation sélective. Alors, ces collections que je viens de citer au Louvre ou au Quai Branly sont soit très anciennes, soit très lointaines par rapport à nous. Elles nous viennent de civilisations éloignées, soit dans le temps, soit dans l'espace, et bénéficient donc, à juste titre, bien évidemment, d'une patrimonialisation très développée. Mais j'ai fait ce rapprochement esthétique, mais pas seulement, sur cette diapositive. Le fait est que l'objet que vous voyez, alors à gauche pour vous, donc il est une amulette qui est conservée au musée du Louvre, est exposée, alors que l'objet de droite ne l'est pas, et a priori ne le sera pas avant longtemps. Pourtant, ils procèdent, même s'ils appartiennent à des contextes spatio-temporels bien distincts, d'une même fonction rituelle. Il est significatif, à ce titre, qu'aucune bourse de recherche ne soit allouée, par exemple, au musée du Quai Branly, sur l'art populaire en Europe et en France. Le musée dispose d'un système d'allocation de bourses de recherche, mais les sujets doivent forcément concerner une société extra-européenne,
l'Europe disposant pourtant d'un folklore populaire particulièrement riche et diversifié. Alors, il est plus facile de mettre en valeur les objets de dévotion d'apparat, qui sont plus luxueux car ils attirent l'attention. Je vous en ai mis deux exemples assez distinctifs à l'écran. À gauche, la Via Vitae, réalisée par le joaillier Joseph Chaumet, qui était très, très pieux, très croyant, qui a réalisé cette œuvre Crise éléphantine, donc en or et en ivoire, de façon à restituer les épisodes de la Passion du Christ, qui est conservé aujourd'hui au musée du Hiéron à Paray-le-Monial. Et à droite, le chapelet et le livre de prière de l'impératrice Eugénie. Donc ce type d'objet, ce type de chef-d'œuvre ou d'objet impérial a moins de mal à passer les limites de la valorisation patrimoniale, mais vous l'avez compris, la donne change quelque peu lorsqu'il s'agit de mettre à l'honneur des œuvres plus modestes et anonymes. Et pourtant, elles en disent long sur le goût esthétique, sur l'iconographie, sur les dévotions et les habitudes sociales et religieuses, et tout simplement l'évolution d'une société. Je vous présente maintenant donc le type d'objet que je peux avoir dans mon corpus, qui s'appelle une composition en papier roulé. Alors, les papiers roulés se développent au Moyen-Âge. Ils ont pour but d'imiter les décorations en filigrane d'or et d'argent, qui sont trop chères pour certaines paroisses. C'est donc un art pauvre. Ils étaient principalement, et sont encore d'ailleurs, réalisés par des femmes cloîtrées, donc des moniales dans les couvents, notamment les Ursulines, les Carmélites ou les Visitandines. Ce sont des travaux de patience, de solitude, de foi également. Ces travaux sont considérés comme une prière manuelle. Et techniquement, en fait, ce sont de minces bandes de papier qui sont enroulées. Alors là, vous avez la vue d'ensemble, mais mes zooms n'étaient pas d'assez bonne qualité, mais chacun des petits ornements que vous voyez sont en fait de minces bandes de papier qui sont enroulées, frisottées, découpées ou plissées et collées sur la tranche, et ensuite elles sont dorées, de façon à créer un langage décoratif floral, végétal ou ornemental. On pouvait y ajouter également des perles, des coquillages, des strass, pour les plus luxueux des gemmes. Et vous voyez qu'on a un résultat sur le plan esthétique plutôt exubérant. Ces compositions sont encadrées et mises sous verre, et elles servent de décor, alors soit à une image pieuse, soit à une statuette. Ici, vous avez donc une crucifixion avec les Arma Christi autour, ou bien à une relique. Donc, ce sont souvent des reliquaires. Et vous voyez qu'elles ne déméritent pas ces compositions sur le plan de la virtuosité artistique. Pour autant, vous les trouverez très rarement exposées, à part dans les musées d'art sacré. Donc, en conclusion, à la question qui ouvrait ce propos, est-ce un objet de dévotion ou une œuvre d'art, je choisis personnellement de répondre les deux. Mais pour en arriver à une réponse non biaisée, il faut d'abord élargir la notion d'œuvre et regarder l'art populaire autrement que par le prisme de la hiérarchie des genres et de la posture winkelmannienne. Et ensuite, il faut ranger, ou plutôt déranger, notre boîte à outils intellectuelle, et par là j'entends ne pas hésiter à faire des lectures analytiques croisées entre histoire de l'art et archéologie, ou histoire de l'art et anthropologie. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je propose à Paloma Diaz et Quentin Richard également de venir sur scène. Je vais vous laisser la place. Merci à vous trois. C'était des communications vraiment très passionnantes, très pointues, et avec des angles et des approches assez variées, des échelles variées. Voilà. Mais en tout cas, qui montrent bien donc l'importance d'historiciser ces catégories qui sont
rassurantes et qu'on, voilà, qu'on, qu'il faut, avec lesquelles on travaille depuis longtemps, mais qui atteignent souvent leurs limites. Et ça a été dit à plusieurs fois, l'importance d'un travail interdisciplinaire, notamment entre histoire de l'art, archéologie et anthropologie. Ça fait maintenant plus de 20 ans que ce point est souligné. C'est toujours d'actualité. C'est important de créer des liens entre ces deux disciplines autour des objets du patrimoine. Ce qui est intéressant avec votre communication, c'est que ces questions de construction et de déconstruction des catégories, elles se pensent depuis des objets qui ont été longtemps considérés comme mineurs ou marginaux, en tout cas en marge du grand goût. On pense à l'artisanat indigène, je pense peut-être aux figurines en terre cuite, et évidemment aux objets de dévotion, où le fait que ces objets aient du mal à s'intégrer dans une histoire de l'art classique invite plus fortement aussi à questionner le regard que les musées, l'université, les chercheurs en général ont posé sur ces différents objets. Et puis ce qui apparaissait clairement également, c'est que cette question de la déconstruction, elle se pose fortement dans le champ, dès lors qu'on est dans le champ du non-européen ou du populaire, catégorie elle-même évidemment à déconstruire, mais c'est vrai que c'est ce positionnement en dehors d'une grande histoire de l'art européenne classique invite aussi fortement à s'interroger sur les termes et les catégories qu'on emploie longtemps, depuis longtemps. Et peut-être pour initier la discussion, et aussi parce que je suis conservateur de musée, je voulais vous interroger tous les trois sur justement le rôle des institutions muséales par rapport à vos différents sujets d'études dans la mise en place des constructions que vous attelez, des catégories que vous attelez justement à défaire, et peut-être aussi si vous avez des exemples récents de dispositifs muséographiques, que ce soit des cartels, des textes de salle, des dispositifs pédagogiques qui justement actualisent un peu le regard sur le costume, sur les objets de dévotion populaire entre art et objets religieux, et puis évidemment sur la problématique de l'artisanat dit indigène. Qui se lance ? Je ne sais pas si ça marche. Tout le monde. Il faut appuyer sur le... Bon. Je ne sais pas si... Ouais, c'est mieux comme ça. Alors, pour ma part, mon sujet se concentrait, partait du constat des figurines en terre cuite. Et j'ai construit toute mon étude, toute mon approche en partant de ces collections muséales. Et pour mon projet de thèse, je vais pousser plus loin en travaillant en collaboration avec le Centre de recherche et de restauration des musées de France pour vraiment pouvoir étudier et tirer un maximum d'informations de ces figurines essentiellement, mais aussi des vases sur lesquels je vais m'intéresser. Pour ce qui est du renouveau de ces programmes muséographiques, j'ai beaucoup discuté avec Violaine Jamais, du coup, qui est conservatrice au Musée du Louvre, sur ces questions de terminologie, et elle pense également que ces termes grecs posent problème et qu'on doit les employer vraiment avec de grandes précautions. Mais le problème est que ces termes grecs sont établis depuis tellement longtemps et sont présents maintenant dans les salles du musée qu'il faudrait faire tout un travail de déconstruction vraiment dans les salles du musée, soit en expliquant clairement ce que sont ces termes, ou au moins en les enlevant et en les mettant des termes beaucoup plus descriptifs, qui seraient peut-être aussi plus simples pour un grand public. Ce serait peut-être plus simple de parler tout simplement de tunique que de péplos, sans le définir. Oui, est-ce que ça parle aux visiteurs du Louvre, oui, ça parle. Qui n'est pas historien de l'art grec Au final, ce terme ne parle qu'à un certain type de public, et il n'y a pas vraiment de raison de le maintenir comme ça sans le définir au moins. Donc pourquoi pas aussi proposer de mettre un petit peu de côté, comme on pourrait le faire dans les études, mettre de côté ces termes qui posent problème pour pouvoir aussi, pour parler à un plus grand nombre, à un public plus large. Enfin, d'un aspect scientifique et d'un aspect démocratisation au niveau des publics, c'est en lien avec les deux, donc pourquoi pas. Oui. Est-ce que vous avez des... Je peux rebondir sur cette question, effectivement, sur ce que dit Quentin, et notamment sur l'intervention aussi de Suzanne, qui était réellement passionnante, Quentin également, mais Suzanne avec des réflexions qui se lient tout particulièrement à mon sujet et à des thématiques de recherche qui sont les nôtres. Alexandre, donc, vous évoquiez justement la question des musées, la place des musées.
Je vous citerai évidemment le musée du Quai Branly, que vous connaissez certainement toutes et tous, qui met en place effectivement toute une série de travaux, de recherches, de réflexions autour de ses propres collections, qui sont des collections, vous l'imaginez bien, arrivées pendant la colonisation, qui sont des objets avec un statut un peu particulier. Et vous avez évidemment donc des chercheurs qui travaillent au sein de cette institution à réfléchir aux cartels, justement, à la façon dont on les présente, dont on les expose. Objets de dévotion, là encore, ou objets artistiques, on penche plutôt généralement pour eux du côté de l'art, ce que disait très bien Suzanne. Effectivement, on enlève plutôt le côté dévotion au rituel qu'on va retrouver dans les cartels, ce sera expliqué en tout petit, mais ce n'est pas l'aspect qu'on va retenir le plus. Et pour les, on va dire, les événements vraiment importants qui ont eu lieu, je pense à l'exposition Peinture des lointains que je citais dans mon intervention en 2018, elle a été dirigée et conçue par Sarah Ligné, qui a réfléchi en fait à la mise en exposition de projets et de peintures issus du monde colonial et qu'on n'avait jusqu'à présent jamais vu, qu'on avait refusé de voir d'une certaine façon parce qu'elles étaient dans les collections, mais qui posent évidemment, vous l'imaginez bien, un problème quand il s'agit de dénomination ou simplement d'oser regarder un patrimoine qu'on n'a parfois pas forcément envie de qualifier, ou dont on n'a pas forcément envie d'intégrer, qu'on n'a pas forcément envie d'intégrer dans nos collections. Je pense à l'art populaire, comme Suzanne l'a très bien dit, effectivement, ce sont des productions extrêmement intéressante pour les historiens de l'art, mais plus difficile d'accès pour le public, puisqu'effectivement, nos catégories ne les englobent toujours pas. Ce que tu dis, Paloma, est vraiment très intéressant, parce qu'en fait, ça touche... On pourrait peut-être penser qu'étant le 19e siècle français est quand même très proche de nous, et on sait énormément de choses, il y a énormément d'études dans énormément de domaines, mais ça, ce que tu décris, touche aussi en fait ces objets de dévotion privée. J'étais à Rouen récemment, au musée Flaubert, si je ne me trompe pas, et il y avait une petite statuette d'une vierge peinte sur faïence peinte, et le cartel mentionnait une vierge à l'enfant, donc vierge à l'enfant, point, faïence peinte. Bien. Sauf qu'en fait, cet objet était ce qu'on appelle une vierge d'accouchée. Au niveau de la partie sommitale de la tête, on a un trou avec... pour placer un cierge. Et ça servait de décompte temporel pour les parturientes. Quand les femmes accouchaient, on mettait cette vierge qui servait avec une fonction protectrice pour les femmes qui accouchaient. Et donc on mettait un cierge, on faisait brûler le cierge, ça permet de décompter le temps, puisqu'on comptait en cierge, et à l'intérieur on mettait de l'eau bénite. Bref, il y a tout un système, cet objet n'était pas juste une vierge à l'enfant, c'était pas juste une statuette, et le trou de la partie sommitale est très visible. Sauf qu'à aucun moment, apparemment, je ne blâme personne en l'occurrence, mais je pense que la question ne se posait même pas. On a vu une vierge à l'enfant, on s'est dit encore une vierge à l'enfant, bon, comme il y en a tant. Et en fait, non, il y a vraiment une fonction particulière à cet objet. C'est l'iconographie qui prime tout de suite l'usage, l'étude, la fonction. Et peut-être avant de laisser la parole à la salle, j'avais aussi une autre question qui m'est venue en écoutant notamment vos deux communications, Paloma et Suzanne, sur... la question de continuer à utiliser certains termes, je me permets de poser la question parce que j'ai moi-même travaillé sur les questions d'art colonial et donc j'ai été confronté à cette terminologie d'indigène et qui éveille souvent en colloque d'importantes discussions avec la salle. Est-ce que, même en l'historicisant, il est nécessaire de continuer à les utiliser ou pas? Et est-ce qu'on peut s'en libérer ou pas? Et la question aussi, pourrait vous être posée, Suzanne, sur la question de la dimension populaire de ces arts. Est-il encore utile de continuer à qualifier ces objets de populaires? Est-ce qu'on peut, à un moment donné, en 2021, s'en affranchir totalement? Mais écoutez, pour répondre à votre question, je dirais que c'est justement tout le travail d'historicisation qui permet aussi d'analyser évidemment donc l'impact de ces termes et de les continuer à les utiliser d'une certaine manière. Évidemment, on imagine bien que quand je vous dis artisanat indigène, c'est un legs colonial, là encore, qui nous est resté, qui est toujours présent, qui est toujours pérenne, toujours actif, qu'on utilise, à la fois dont on ne sait pas se débarrasser et en même temps
Est-ce qu'il serait réellement pertinent de s'en débarrasser? La question se pose quand aujourd'hui dans les musées, pour prendre un exemple un peu connexe, on change les titres d'œuvres parce que le terme de nègre ou négresse, qui est effectivement insultant, ignominieux et tout à fait inadéquat, mais qui est historique, est remplacé par portrait de femme ou portrait de femme noire. Ça pose question sur le poids de l'histoire et le rôle que nous avons à jouer en tant qu'historiens et historiennes de l'art en devenir ou conservateurs sur ces catégorisations-là. Utiliser les termes d'art indigène ne signifie pas évidemment, ou d'art primitif, d'art sauvage, que l'on adhère naturellement, que l'on adhère à ces propositions. Seulement, les historiciser et les étudier comme on le fait ou comme peut le faire Suzanne avec l'art populaire ou comme peut le faire même Quentin avec les termes grecs, c'est-à-dire faire ce travail de remonter, d'analyser, de tout décortiquer, doit pouvoir permettre aussi de les utiliser en enlevant peut-être, en désamorçant la charge, si vous voulez, très, très problématique qu'ils conservent encore. Je ne sais pas ce qu'en pensent Quentin et Suzanne, mais je vois des hochements de tête. Logiquement, je ne dis pas que des bêtises. Non, enfin, c'est tout ce que j'ai essayé de montrer, en quoi l'utilisation de ces termes peut être problématique et comment on peut, enfin, comment on doit réfléchir à ces termes pour essayer d'utiliser une terminologie qui est assez juste, assez descriptive et qui aussi permet de... Enfin, normalement, l'objectif de la terminologie, c'est d'enlever toutes les ambiguïtés autour de ce qu'on décrit, et au final, c'est tout l'inverse avec le monde grec. On rajoute des problèmes sur des problèmes, et donc comment on peut éviter et se passer de tout ça? Tout à fait, c'est ma réflexion est à peu près la même, c'est-à-dire que, bien sûr, que parler d'art populaire, ça peut induire... alors, il y a le côté général, bon, populaire du nombre, et il y a aussi le côté, en termes de classe sociale, d'appartenance, est-ce que c'est un objet de prix, est-ce que c'est un objet d'apparat? Cela dit... comme disait aussi Paloma, elle a cette appellation un avantage qui est que, en fait, 99% de ces objets sont des objets populaires, de fait, c'est-à-dire faits parfois de briques et de brocs, anonymes, parfois même par les fidèles eux-mêmes. Et en un sens, elle a presque une vertu, cette appellation, qui est de rappeler que, certes, le chapelet de l'impératrice, c'est très bien, mais est-ce qu'elle s'en sert? On ne sait pas. Est-ce que c'est juste un objet d'apparat ou une pièce de montre? On ne sait a priori non pour le chapelet, mais... les objets luxueux sont souvent ce qu'on appelle des pièces de montre, c'est-à-dire des pièces qui ne sont pas vraiment chargées, qui ne sont pas des supports de foi effectifs, et qui donc échappent un petit peu à l'intérêt de mon étude. Et donc l'appellation populaire a le mérite finalement de rappeler que, avant d'être regardés, ces objets sont utilisés. Quand, par exemple, j'ai des chapelets, je ne sais pas à qui ils appartiennent, je ne sais pas par qui ils ont été fabriqués ni rien, mais ils sont cassés. Ça veut dire qu'ils sont utilisés. Et juste pour terminer ce propos, je voudrais citer une réflexion que se fait Paul Claudel, qui est éminemment anti-ars saint-sulpicien, donc qui déteste toutes ces petites statuettes de plâtre que je vous ai montrées tout à l'heure, mais qui quand même à un moment se dit « mais est-ce qu'on n'est pas en train de se fourvoyer à critiquer cet art populaire ?» Donc, parce que est-ce que ça n'est pas là que réside la vraie foi, celle du peuple? Et donc... j'entends bien l'important d'éventuellement faire tomber ces barrières terminologiques, mais en même temps, elles viennent rappeler que c'est quelque chose qui vient aussi du peuple. Ouais, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est évidemment pas simple, et c'est important qu'on fasse un travail fin sur ces termes, mais dans le cas notamment des termes d'art nègre ou d'art indigène, c'est des termes qui sont source d'une brûlure encore forte, notamment pour certaines personnes. Et même en les historicisant, en les contextualisant, la force des mots reste présente. Donc je m'interrogeais sur la possibilité, même dans l'écriture académique, s'il y a des formes poétiques, ou je ne sais pas, ou des dispositifs à inventer pour à la fois reconnaître et évoquer ces mots-là, mais aussi s'en libérer à un moment donné de l'écriture du travail. Voilà. La question est très intéressante. Je rebondis juste sur un élément. De brûlure, cette idée d'une souffrance qui est toujours là pour ces productions, pour ces arts, pour cette période, c'est vrai, c'est des mémoires, on le répète à longueur de temps, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, ce sont des mémoires qui ne sont pas passées, qui sont toujours vives, qui font toujours mal. L'histoire, ce n'est pas de la mémoire, c'est justement ce qui vient après, ce qui vient avant, ce qui l'entoure. La mémoire, c'est personnel, c'est unique, c'est de l'émotion, c'est de l'intime. Je rejoins Suzanne, et l'intime, ça appartient à un autre domaine. L'histoire, c'est quelque chose de différent, donc... là où, si vous voulez, ce qui m'embête un peu dans ce genre de discours, c'est quand on nous répond que art indigène, ça fait souffrir la personne en face,
Oui, mais il faut bien comprendre que l'histoire en elle-même ne souffre pas. Et il ne s'agit pas ici de mélanger les deux domaines, de faire de la mémoire le juge de l'histoire, parce que là, on part sinon dans des domaines où n'importe quelle production, n'importe quelle période peut être revue et corrigée par quelqu'un qui se présente en disant « je souffre ». C'est pas possible. Les souffrances sont entendables, elles sont évidemment compréhensibles et il est absolument inhumain de nier les douleurs des peuples afrodescendants ou culturellement victimes d'histoire coloniale ou d'histoire lourde, mais ces mémoires-là ne peuvent en aucun cas se poser comme juges de l'histoire parce que sinon on ne s'en sort plus. Maintenant, effectivement, ce sont des domaines là-dessus que je vous rejoins complètement qui sont à décoloniser et c'est justement aussi l'une des grandes questions, notamment au niveau des catégories et des nominations. Alors j'imagine qu'il va y avoir pas mal de questions dans la salle, oui. Ah ok, ça marche mieux. D'accord, ok. Donc oui, sur les objets de dévotion populaire, donc pour mademoiselle Martin Vigier. Je suis d'accord avec vous qu'on n'a pas forcément besoin de choisir entre œuvre d'art et objet de dévotion. Cette opposition m'a fait penser à Benjamin. Pour qui, en fait, finalement, l'œuvre d'art est définie par le rapport culturel en fait, qu'on a à l'œuvre d'art. Donc, selon lui, finalement, une œuvre d'art sera forcément un objet de dévotion. Lui, il oppose cet objet de dévotion, proprement artistique, unique, à l'œuvre qui est reproduite. Et vous avez évoqué certains exemples d'œuvres qui sont en effet reproduites. Mais ce qui est intéressant, dans votre cas, c'est que ces œuvres reproduites gardent justement ce rapport culturel, en fait, au spectateur, à l'usager. Donc, peut-être, il y a une catégorie différente, en fait, qui est un peu à part, en fait, qui ne rentre pas, justement, dans sa thèse, qui, finalement, ne concerne pas les objets de dévotion populaire. Moi, j'évoquerai peut-être le kitsch. C'est un mot qui peut choquer, parce que, bon, on l'utilise de façon péjorative, mais c'est pas forcément un mot péjoratif, en fait. On peut utiliser le kitsch pour valoriser. Je veux dire, quand on regarde l'art contemporain, il y a des artistes de renommée internationale, comme Jeff Koons ou Wim Delvoye, qui valorisent le kitsch, parce que, pour eux, le kitsch, c'est une façon de parler au peuple. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce terme ? Ça marche plus. Ah si, ça marche. Merci pour votre question, votre remarque plutôt, très intéressante. Oui, le kitsch est une notion, j'entends ici kitsch au sens de la notion scientifique, dirais-je, et non pas l'appellation qu'on peut en donner parfois de façon un petit peu triviale de quelque chose qui nous paraît un petit peu démodé, un petit peu too much. Oui, c'est très intéressant. C'est une notion que j'utilise avec parcimonie. Elle s'applique à pas mal d'objets, vous en avez vu certains à l'écran. Ce kitsch, hein, il peut être défini par souvent une outrance, une exubérance, un changement d'échelle, souvent des petits objets, des couleurs très vives. Vous avez vu que c'était souvent le cas sur les statuettes. Alors je l'utilise, mais je m'en méfie. Mais je l'utilise. Il faut faire attention à la chose suivante, c'est que ces objets de facto sont souvent kitsch. Ils nous paraissent tout à fait démodés, tout à fait has-been, pour utiliser un anglicisme. Mais il faut faire attention car ce n'est jamais une volonté de l'artisan, en fait. Il n'y a pas de. Vous parliez de Jeff Koons, etc., où il y a une démarche consciente. Ils le sont un peu malgré eux, ces objets. Et ils le sont parce que ces couleurs que vous voyez sur les statuettes, cette profusion de dorures, de fausses dorures, le kitsch se caractérise aussi par le faux, par l'imitation. Et en ce sens, les objets de dévotion sont en plein là-dedans. Quand vous trouvez des répliques de la grotte de Lourdes, mal peintes, avec du bleu criard, etc., bon, c'est kitsch. Mais elles ne le sont pas pour faire kitsch. Elles le sont parce que ces couleurs, cette reproduction, elles sont faites pour toucher justement le maximum de personnes. Et on en revient à la question du populaire. Et elles le sont également parce que, en un sens, qu'on le comprenne ou pas, ça n'est pas finalement notre posture en tant que chercheur, elles viennent susciter une émotion religieuse, une foi, plus que certaines sculptures en marbre de Michel-Ange dans une église, etc. Donc le kitsch, bien sûr, est très intéressant en ce qui concerne les objets de dévotion du 19e siècle, mais je pense à utiliser avec quelques pincettes. Mais en effet, votre remarque est tout à fait pertinente, oui. Merci beaucoup.
une première main tout au fond. Alors ma question, remarque, est aussi pour Suzanne. J'ai été assez frappée parce que, par vraiment la catégorisation que tu essayes de définir ou déplacer, parce que j'observe pas mal de parallèles en fait avec la période médiévale que je connais un peu mieux, et où on a un peu dépassé dans une certaine mesure cette catégorisation, parce qu'on va avoir beaucoup d'œuvres, notamment peintes, de petits tableaux qu'on va appeler des tableaux de dévotion. Il y a vraiment cette catégorisation-là, qui sont des tableaux qui vont servir cultuellement, mais dans un cadre privé, et qui sont vraiment considérés par les médiévistes comme des œuvres d'art. Et je ne sais pas si tu as déjà pensé à aller... je pense que tu as pensé à regarder un peu ce qui avait été écrit sur ces questions-là, parce que c'est vraiment des problématiques qui ont été traitées très en profondeur par les spécialistes de la peinture médiévale. Oui, oui, merci pour ta remarque. Oui, oui, tout à fait. L'art de dévotion médiévale c'est très intéressant d'aller puiser et de regarder la façon dont cet art de dévotion est étudié. Peut-être qu'avec le temps, je sais pas si c'est je me pose souvent la question en fait. Je me dis, est-ce que c'est trop proche de nous et que de par notre histoire, de par la laïcisation du pays, etc., est-ce qu'on a un rapport au religieux proche de nous qui est encore compliqué? Est-ce qu'avec le temps, ces objets qui nous semblent kitsch vont rentrer lentement dans une forme de patrimonialisation peut-être plus officielle, comme les petits tableaux de dévotion médiévaux? C'est vraiment une question que je me pose, hein. C'est pas du tout une vraie question. Mais en effet, oui, les rapports avec l'art médiéval, finalement, on change, les supports peuvent changer, mais la démarche demeure la même. Et en ce sens, c'est très intéressant de faire des allers-retours avec le passé pour faire des comparaisons, absolument. Moi, j'ai une question qui va plutôt s'adresser à vous, Paloma. Donc, ma question, c'est sur... aux autres intervenants aussi, mais sur les dispositifs de médiation, comment rendre intelligible cette historisation que l'on comprend comme une nouvelle strate de signification des objets qui est directement compréhensible par le chercheur, le scientifique, l'agent de musée, mais pour le public, comment rendre intelligible cette historisation si on maintient les termes du paradigme colonial? Merci pour votre question, elle est évidemment très intéressante. Alors, je vous dirais que pour le rendre intelligible, le simple fait d'employer des termes coloniaux vous donne déjà un bon indice sur le travail qu'il y a à faire en cours. Quand vous allez au musée du Quai Branly, vous ne voyez pas marqué période coloniale. Vous voyez marqué 19e, 20e pour les objets les plus récents ou des fourchettes chronologiques qui remontent ensuite au 16e, 15e, 14e siècle, qu'importe. Effectivement, la question de l'historicisation des héritages coloniaux en musée, c'est une vraie question, elle pose problème. Elle pose problème pour la question du goût du public. Est-ce que le public a envie d'avoir accès en découvrant le patrimoine colonial s'y rend? La réponse tendrait plutôt à pousser vers le oui quand on voit le succès de l'exposition Peinture des lointains qui a historicisé justement dans son parcours même d'exposition des œuvres réalisées par des peintres qui ont voyagé aux colonies, qui étaient eux-mêmes alors des administrateurs parfois ou de simples voyageurs. Et dans le parcours même, on avait conçu, si vous voulez, Sarah Ligny avait réfléchi déjà à présenter des œuvres en rappelant en permanence qu'elles étaient issues du monde colonial, qu'elles en étaient quelque part les fruits. Maintenant, pour les objets d'art africain, on va dire, justement, là encore, traditionnels, les objets qui sont dans le musée depuis des années, qui sont sous vitrine depuis des années, qui sont en place, que les gens ont l'habitude de voir sous vitrine, ont l'habitude de voir sur socle, et ont l'habitude de comprendre, d'intégrer dans cette grande nébuleuse d'art africain. Effectivement, la question se pose, et c'est une question très difficile, sur comment historiciser ces productions et comment leur donner... à la fois leur redonner, si vous voulez, toute la richesse de leur contexte colonial, sans les enfermer aussi uniquement dans cette perspective-là, parce que sinon c'est les amputer aussi, d'une part, je reviens à ce que disait Suzanne, de leur fonction première, de leur fonction utilitaire et de leur histoire propre en tant qu'objet et en tant que création humaine.
Merci. Pardon. Moi, j'ai aussi une question pour Suzanne. Il me semble qu'au début de votre intervention, vous avez utilisé le mot « curiosité » pour qualifier la production dont vous parliez. Et autant je suis familière avec art et tradition populaire, même folk art en anglais, tout ça. Je voulais savoir d'où vient ce mot, quelle place a dans la terminologie que vous êtes obligé de questionner. Est-ce que c'est un mot qui est utilisé, je ne sais pas, plus par le marché de l'art ou par le grand public? Est-ce que c'est péjoratif du coup ou... Alors, bonjour Juliette, je t'ai reconnue. Merci pour ta question. Alors en fait, ça n'est pas moi qui utilise cette terminologie, c'est vraiment le marché de l'art. J'ai pas mis de slide avec d'images, j'aurais dû, mais la grande majorité des catalogues de vente qui regroupent des objets de dévotion privée portent la mention de curiosité. C'est souvent le cas chez De Beck et Associés notamment, qui font souvent des ventes avec ce type d'objets. Alors, rarement, enfin, parfois regroupés uniquement avec ces objets, parfois dans le cadre de vente d'un lot, d'un château, par exemple. Et donc, ils parlent de curiosité. Souvent parce qu'ils ne savent pas, on en revient encore à mon histoire de vierge d'accoucher, ils ne savent pas tout simplement nommer les objets ou les déterminer, ni en termes de fonction, ni en termes d'iconographie. Et donc, que ce soit sur un plan ontologique ou esthétique, on parle de curiosité tout simplement parce que c'est un petit peu étrange, c'est un petit peu en marge, et donc voilà, un petit peu comme on aurait pu parler de curiositae à l'époque des cabinets, enfin voilà, c'est vraiment, donc c'est plutôt le marché de l'art qui parle de curiosité. Aussi parce que je pense que ce label, maintenant, fait venir un certain type d'acheteur particulier. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Drouot pour une vente de curiosité, comme ils les appellent, c'est assez fascinant de voir, ce sont des gens souvent très spécialisés, qui savent exactement le prix de ces choses, parce que ça aussi c'est un autre problème dont je n'ai pas parlé, mais quelle valeur, là en l'occurrence quel prix plutôt, on attache à ces objets. Et ces personnes-là recherchent ce type d'objet. Donc ça permet aussi de fédérer, bon gré mal gré, malgré aussi, un type d'amateur bien spécifique. Bonjour. Par rapport à la question de l'esthétique de l'objet religieux, esthétique ou non, il y a 15 jours, 3 semaines, une conférence à l'auditorium du Louvre qui parlait de l'art paléolithique, l'art des cavernes, Lascaux, la grotte Chauvet. Et la notion d'esthétique apparaît et discutée. Voilà. On est à peu près sûr à l'heure actuelle que c'est une œuvre religieuse, qui a une valeur religieuse. Et donc, par rapport à ça, on peut remarquer, il a été fait deux remarques. Une, que bon, il y avait finalement dans la société, à ce moment-là, une sorte de sacrifice de temps, parce que la personne artiste, enfin je veux dire, qui a les capacités de faire ça, c'est pas n'importe laquelle, donc la société lui donne un certain temps pour faire cette œuvre-là, qu'elle soustrait à la chasse, ou etc. Et la notion aussi qu'on retrouve à l'époque médiévale, qui est le beau et d'essence divine. Et donc, quand ça renvoie au fait que le religieux, à cette époque-là, ceci dit, ça n'exclut pas, au Moyen-Âge, par exemple, toutes les médailles qui justement ont une fonction anthropopaïque, enfin de protection, hein. L'un n'exclut pas l'autre et n'a pas la même fonction dans la société. Mais alors ce beau d'essence divine, je dirais, était très très fort comme valeur, hein. Et ça se retrouve au niveau de la beauté des couleurs, au niveau de la beauté des cathédrales, enfin de toute la production artistique, et du chant aussi. La beauté du chant était d'essence religieuse, le son est d'essence religieuse.
Et je pense que la production artistique que vous étudiez fait référence à un autre versant de la religion, qui est justement cette fonction protectrice, qui met en second la valeur esthétique. L'esthétique recherchée à ce moment-là, comme vous dites, des couleurs très voyantes, etc., ça s'adresse plutôt à un ressenti, je dirais, plus archaïque que le beau s'adresse à un ressenti déjà plus travaillé, enfin si je puis dire, on n'accède pas d'emblée. Les enfants, souvent, n'ont pas tellement bon goût. C'est progressivement que le goût s'affine, enfin je veux dire, c'est une humanisation, c'était pas... Et on aime, et les enfants aiment, et moi d'ailleurs, moi j'adore le rouge, je ne suis pas gênée de dire ça, et je porte même des vêtements kitsch à mon âge, hein, 78 ans. Donc si vous voulez, c'est pas un mépris que de dire qu'il y a une différence, que ça ne se situe pas au même niveau de besoin de religieux. La personnalité de quelqu'un, elle n'est pas que, je dirais, que sur un seul registre. Hein, il y a celle qui communique à un niveau sociétal, etc. Et puis une autre qui est bien plus, qui est l'angoisse. Hein, quand on vous parlait de la bougie au moment de l'accouchement, c'est quand même pour que cet événement se produise bien, que mort ne s'ensuive pas, enfin on se protège de l'angoisse de mort, et c'est les tripes, hein, c'est tout à fait autre chose. Et je pense que c'est pour ça que cette production, d'abord, elle est très fréquente, hein, vous insistez sur le fait que c'est une reproduction, qu'elle est faite avec des éléments, le plâtre, enfin qui est beaucoup plus facile à trouver, hein, c'est pour ça aussi que ça coûte moins cher. Et parce que le but recherché n'est pas le même. Alors, merci pour votre remarque. Oui et non. C'est-à-dire que ça, tout dépend de la production dont on parle. En effet, au XIXe siècle, quand on prend par exemple les manufactures d'art chrétien qui produisent ces petites statuettes en plâtre, on privilégie avant tout la production de l'objet. Et, enfin, non, excusez-moi. Pour reprendre votre propos, en gros, qui est de dire que la fonction rituelle primerait sur l'esthétique, c'est vrai de certaines productions qui nous semblent aujourd'hui réalisées de façon plus ou moins grossière. Ça ne l'est pas pour d'autres. C'est-à-dire que les papiers roulés que je vous ai montrés, par exemple, prennent énormément, vous parliez de temps soustrait, prennent énormément de temps à réaliser. Imaginez-vous de rouler tous ces petits papiers, de les coller sur tranches, de tout dorer, etc. Et en l'occurrence, les femmes, parce que ce sont des travaux exclusivement féminins qui les réalisent, prennent ce temps comme une prière manuelle, donc il y a vraiment un acte de dévotion, et l'objet, en même temps qu'une esthétique particulièrement riche, conserve, lorsqu'il s'agit d'un reliquaire par exemple, sa fonction de protection, de sacrement, etc. Après, pour vous donner un exemple, si vous prenez l'un des grands pèlerinages de la deuxième moitié du siècle, Lourdes, donc 1854, le dogme de l'Immaculée Conception est proclamé par le pape, et 1858, arrivent les premières apparitions à Bernadette Soubirous, et va se développer ce pèlerinage de Lourdes qui connaît encore aujourd'hui Lourdes. Chaque année, c'est 7 millions de personnes, hein, c'est énorme. Et donc, on va avoir toute une série de statuettes qui vont naître de ce pèlerinage. Et on a commencé par les faire en marbre blanc. Cette lignée des statues d'art entre guillemets officiel. Et puis rapidement, on s'est aperçu que les fidèles ne les achetaient pas. Et on a commencé à mettre de la couleur. Et là, les fidèles les ont achetés. Et quand on a demandé, les gens répondaient, pour nous, il y a plus d'émotion avec cette esthétique colorée et on arrive à mieux prier devant que lorsque la statue est blanche. Donc en fait,
même si la question du beau, elle est délicate parce que elle est aussi très subjective et elle n'est pas forcément du ressort de. Enfin, le chercheur n'a pas forcément vocation ou alors de façon très très méthodique à l'aborder. En revanche, l'esthétique prime quand même beaucoup. C'est-à-dire que ces objets, il ne faut pas que ça aille jusqu'à l'idolâtrie, bien sûr, parce que là on tombe dans quelque chose qui est proscrit par l'Église, et d'ailleurs l'Église essaye de garder la main mise sur ses productions, parce qu'elle a peur d'un quelque chose qui lui échappe. Mais l'esthétique prime tout de même. Qu'elle nous paraisse à nous très éloignée de ce qu'on appellerait le beau divin, c'est une autre question. Mais il y a quand même un rapport très étroit entre l'iconographie et la dimension esthétique de ces objets et leur fonction. Nonobstant les questions de goût, voilà. J'avais une question pour Paloma et qui fait aussi écho aux problématiques soulevées par Quentin, et c'est par rapport aux langues africaines. Donc, est-ce qu'il y a une place, par exemple, dans ta recherche sur ces problématiques liées à la langue? Parce que je suppose que ces objets avaient aussi des appellations originelles, qui datent des périodes précoloniales. Est-ce que des linguistes et des anthropologues ont aussi travaillé sur ces questions? Et j'imagine que les musées, dans leur cartel, est-ce qu'il y a des places aussi pour les appellations originelles? Parce que faire preuve d'histoire, c'est aussi réhabiliter des appellations les plus précises, et donc celles qui présidaient à tout ça, je veux dire. Et je voulais justement, par rapport à cette question des langues africaines, et quand tu évoquais à juste titre la colonisation culturelle, est-ce que la langue française, justement, en francisant en fait tous ces objets, procédé à cette essentialisation, parce que les langues africaines étaient plurielles et qu'on n'a pas aujourd'hui, on visualise pas assez cette richesse linguistique. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette remarque très pertinente. Alors, je vais le prendre en plusieurs points parce qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont évoqués. Le premier, je répondrai tout de suite pour les musées. Oui, les langues africaines sont généralement, vous avez le nom dit vernaculaire de l'objet qui est présenté dans le cartel à la suite de masque baoulé, sceptre bambara ou, à bijoux à Caen. La première chose qu'on met en avant dans un musée quand on parle d'art africain, ce sont des catégorisations colonial. Ensuite, on a le nom vernaculaire quand on le connaît, si on le connaît. Rarement le nom de l'artisan s'il est mentionné, et c'est tout. Alors effectivement, la question des langues africaines et du poids des catégorisations à la création même, lors de la création même des objets, a un rôle essentiel. Mais la colonisation, comme vous l'avez très bien souligné, la colonisation culturelle, l'effet, c'était aussi la suppression et la disparition de ces éléments-là, jugés barbares. Donc lorsque les Français s'implantent, lorsqu'ils rencontrent par exemple un masque dit bambara, puisqu'ils l'attribuent à une ethnie qu'eux-mêmes ont prédécoupé, ont ensuite redéfini, vous l'imaginez bien, les bambaras ne se définissent pas eux-mêmes comme bambara. Ce masque-là, qui avait une fonction rituelle, qui servait par exemple dans une société secrète, qui n'était pas montré aux femmes ou aux enfants, et qui avait une fonction bien précise au sein de la société, avait un nom, parfois même une identification liée à un ancêtre ou un esprit. Tout ça, lorsque le système colonial s'implante, est plus ou moins évacué pour qu'on garde ensuite une catégorisation bien claire, bien définie. C'est un masque bambara, il est en bois, il est en bois sculpté, il y a des coris, il y a ceci, il y a cela. Ce qui va changer un peu, c'est l'arrivée des ethnographes dans les années 30. Je pense à Marcel Griol, je pense à Michel Léris avec Miroir de l'Afrique, par exemple, qui vont prendre en compte de manière tout à fait bienvenue les catégorisations, excuse-moi du terme, indigène. C'est-à-dire qu'ils vont aller au contact des populations autochtones, écrire les noms tels qu'ils les entendent ou tels qu'ils arrivent à les obtenir, pour garder une trace de l'histoire sociale de cet objet. Et ça, c'est évidemment un point de vue que les ethnographes, encore aujourd'hui, les anthropologues, étudient, sur lesquels ils travaillent, et sur lesquels les linguistes travaillent. Et c'est un pan presque entier de la recherche sur les arts d'Afrique, auquel évidemment mon sujet se raccorde, mais qui ne rentre pas totalement dans mes perspectives, sinon vous imaginez bien que ce serait un chantier, mais incommensurable. Je me permets de prolonger un peu ta réponse, Paloma, parce que moi je suis conservateur, je m'occupe donc de collections africaines notamment, et cette question des noms locaux, des objets, sont finalement... on a envie de les faire entendre et de donner à lire aux visiteurs dans les textes ou dans les cartels, mais ils sont aussi éminemment problématiques puisqu'ils sont issus d'informations, de travaux ethnographiques anciens, avec des,
des conditions d'accès à ces noms qui sont parfois pas claires, des évolutions nombreuses sur les bases de données, qui font que c'est toujours délicat en fait de manier ces noms locaux dans le contexte des objets africains. Mais votre remarque me faisait penser, et je me demandais si c'était quelque chose qui un aspect que tu avais croisé dans ta recherche déjà, la façon dont ces artistes indigènes, entre guillemets, se définissaient eux-mêmes, se qualifiaient eux-mêmes. Je pense au travail notamment de Pauline Mongineau, qui a fait une thèse sur la question des artistes peintres à Madagascar durant la période coloniale, et elle mettait en avant le terme de Mpanakanto, qui signifie faiseur d'images, et c'est ainsi que se qualifiaient les artistes dits indigènes par le système colonial, mais qui eux-mêmes avaient une propre définition. Est-ce que ce travail peut-être d'identification des noms en fait, d'artistes en contexte, évoluant en contexte colonial a été déjà fait par des chercheurs? Est-ce que tu as croisé déjà ce travail? Alors, pour l'Afrique, non. Pour l'Afrique subsaharienne, c'est très rare. Quand on a des noms de créateurs ou des noms alors, on les appelle artisans la plupart du temps. On a des cas d'artistes pourtant avérés dans l'Afrique précoloniale. Il faut remonter pour ça au royaume du Dahomey, lorsque on a un empire qui est carrément institué. Vous avez donc une cour avec l'oba du Dahomey, qui a sa cour d'artistes spécifiques qui travaillent pour lui et qui sont considérés au sein de leur société comme des créateurs exceptionnels de production unique. Exactement ce qu'on définit quand on regarde un Delacroix. Et cet élément-là, si vous voulez, cette histoire, parce que je le rappelle quand même, l'Afrique est un continent à l'histoire millénaire. Lorsque les colons s'implantent, ils ont l'impression, eux, d'arriver sur des terres sauvages où il ne s'est rien passé, mais c'est oublié que le continent est riche de traditions iconographiques, de traditions sociétales et artistiques qui les dépassaient largement. Donc on a des noms d'artistes avant la colonisation, ils disparaissent au moment de la colonisation, avec la colonisation culturelle française. Ces artistes-là, qu'on renomme artisans, parce qu'on ne les considère pas comme des artistes, deviennent anonymes, ce qui participe aussi à l'essentialisation et à la réification des cultures. Pour qu'un masque soit Macondé, il ne doit pas être sculpté par un artisan connu, sinon finalement ça s'annule quelque part. Et par ce système-là, justement, d'anonymisation, si vous voulez, des créateurs, on arrive à rentrer dans ce processus de réification. Ça, c'est Bambara, ça, c'est Baoulé, ça, c'est Peul, ça, c'est tout couleur. Et c'est comme ça, aujourd'hui, encore, qu'on fonctionne sur l'histoire de l'art d'Afrique. Donc, l'un de mes enjeux de ma thèse, évidemment, c'est de redonner des noms, d'essayer d'en trouver, ce qui est, vous l'imaginez, extrêmement difficile, bien que j'en ai. J'ai quelques noms d'artisans, donc toujours présentés comme des artisans, quelques femmes, une majorité d'hommes qui ont travaillé dans et pour le système colonial parfois, mais qui ont des statuts, vous l'imaginez bien, complètement biaisés par rapport aux colons et au regard que portent les colons sur eux. Bonjour, merci pour vos interventions. Je me demandais justement quelles sources vous utilisez, en particulier Paloma, comme vous venez d'intervenir, mais également les deux autres intervenants, pour essayer de contourner en fait ce point de vue colonial et essayer de retrouver des noms, comme vous le dites. Donc j'imagine que ça doit être assez difficile d'avoir d'autres archives, d'autres sources. Donc je ne sais pas très bien comment vous faites pour contourner ce problème. Il y a peut-être une sorte d'effacement un peu des sources qui étaient préexistantes. Et voilà, je me demandais simplement comment vous faites d'un point de vue méthodologique pour essayer de retrouver ces traces-là. Et voilà. Merci. Je réponds ensuite, je laisserai la parole à Suzanne et Quentin. Pour la partie Afrique, effectivement, on a un problème méthodologique qui est très important, vous l'imaginez bien. Il y a plusieurs choses pour retrouver des noms d'artistes, pour retrouver des créateurs, pour créer des filiations. On aime bien en histoire de l'art, hein, filiation, généalogie, c'est notre truc. D'abord, la production même des objets. On étudie, on sait que des artistes ont existé, on a certains noms, et on peut leur associer des productions, je pense. Alors, on les appelle les maîtres de la Côte d'Ivoire, le maître de la sculpture avec la crête de coq. Des choses qu'on va retrouver, par exemple, presque dans le monde médiéval. Des dénominations qui permettent de regrouper des ensembles et de déterminer des corpus. Vous avez les archives, évidemment, essentielles, absolument essentielles en période coloniale, puisque les colons ont quand même tendance à archiver beaucoup et à laisser beaucoup de choses par écrit.
Et donc là-dessus, on a des noms d'artisans, je peux retrouver des créateurs, je peux avoir comme ça des sources qui apparaissent. Mais effectivement, ce sont des sources qui sont toujours du côté du monde colonial, puisque sources écrites, par contre, malheureusement, côté terrain africain, il y en a très peu. Alors on peut s'appuyer sur l'oralité, qui, vous le savez, est l'une des fondations aussi de l'histoire africaine, qui n'altère en rien la qualité de l'histoire et son statut d'histoire. Par ce système-là, par les mémoires, par la transmission orale, on peut avoir des noms, on peut avoir des familles d'artisans qui ont conservé des documents, qui ont conservé des pièces d'arrière-grand-père ou d'arrière-arrière-grand-père qui sculptaient et qui étaient connus pour ça. Et puis pour le reste, sinon, ce sera effectivement les sources coloniales qui sont, vous l'imaginez bien, plus que biaisées et plus qu'orientées sur la création. Ouais, c'est bon. Pour ma part, pour le monde grec, la question des sources est un petit peu plus facile puisqu'on a un grand nombre de textes. Le problème, c'est de les comprendre. Puisque quand on a juste une liste, comme une liste de courses avec un peu tout et n'importe quoi, sans contexte, c'est assez difficile de les comprendre. Un problème aussi, un des problèmes qu'on doit avoir en commun aussi, c'est le nom de ces artisans. Puisque moi je m'intéresse surtout aux figurines en terre cuite, et c'est quelque chose qui a longtemps, que ce soit dans l'historiographie moderne, mais aussi dans les sources antiques, a été déprécié, et j'ai quasiment aucun nom d'artiste. Et là, pour les sources, c'est beaucoup plus compliqué, donc on marche pas de la même manière, beaucoup par des noms de convention. Des fois, sur les moules qui sont utilisés pour faire les figurines en terre cuite, il y a quelques mentions, mais ça pose aussi d'autres problèmes. À qui se rattache le nom qui est inscrit sur le moule? Est-ce que c'est celui qui a fabriqué le moule? Est-ce que c'est le propriétaire de l'officine? Est-ce que c'est celui qui a juste fait le modèle de la figurine intercuite qui est ensuite moulée? Donc ça amène, même si dans le monde grec on a un nom assez important de source, ça amène encore d'autres questions plus complexes. Et en ce qui concerne les objets de dévotion privée, alors tout dépend des objets, bien sûr. Pour tout ce qui est statuettes, je les ai cités tout à l'heure, il y a des manufactures dans lesquelles travaillent des artistes, dont on peut assez facilement avoir les noms. Mais par ailleurs, un très grand nombre de ces objets sont encore sous couvert d'anonymat, parce qu'on n'a jamais pensé finalement à... Et les artisans ou les artistes ne se sont jamais manifestés. Une source éventuelle, très intéressante. En fait, on est obligé de ruser un petit peu et pour trouver ses identités. Et finalement, quelle est l'une des façons dont on doit décliner son identité, en tout cas au XIXe siècle en France? Eh bien, c'est lorsqu'on se déplace. On doit avoir des passeports d'intérieur, ce qu'on appelle les passeports d'intérieur, même à l'intérieur du territoire. Et on doit décliner son identité ainsi que son métier. Et donc, on peut retrouver par des biais archivistiques un petit peu détournés, par exemple, des fiches qui indiquent un tel, Jacques Martin, faiseur de chapelet ou colporteur, etc., a fait ça et s'est déplacé du point A au point B. Et là, on a éventuellement un nom, mais je vous laisse imaginer le travail de fourmi que ça peut représenter, et sans compter les objets fabriqués par les fidèles eux-mêmes. Ça relève la plupart du temps quasiment de l'impossible. À ceci près, je rebondis sur ce que disait tout à l'heure Mechtilde dans sa remarque. On a de façon très amusante certains artisans qui deviennent assez connus dans certaines régions, qui se nomment le maître d'eux, suivi du lieu où ils officient. Et là, ça vient rappeler finalement cette pratique médiévale. C'est assez drôle de voir comme ça peut perdurer jusqu'au XIXe siècle. Mais ça, c'est vraiment pour les artistes qui sont prolifiques et qui sont un petit peu connus dans leur région. Alors, j'avais plusieurs remarques et une question pour Paloma. Comment vous placez, vous, en tant que chercheuse blanche, dans une recherche sur l'art africain? Est-ce que vous avez questionné ça, ce statut, on va dire, de colon de la recherche? Vous avez dit à la fin être sur, enfin, parler de décolonialisme. Moi, de ce que j'ai entendu aujourd'hui, j'ai pas entendu grand-chose de décolonialiste. J'ai surtout, retenu la patrimonialisation de la colonisation et un certain dédain pour ce que vous avez appelé la souffrance
des personnes, donc à savoir des afro-descendants, concernant par exemple les titres des œuvres. Donc vous appelez ça une souffrance qui ne peut modifier l'histoire. Donc j'aurais tendance à pas appeler ça une souffrance, mais peut-être plus du respect de la personne, des personnes afro-descendantes, dont, enfin, au final, on parle de leur propre histoire, de leur propre culture et de leur propre production artistique, et pas de la nôtre. En parlant de souffrance, en fait, on minimise leur place dans la recherche sur l'art africain, parce qu'on parle quand même d'eux, et il y a un aspect assez infantilisant qui est pour moi une erreur méthodologique, surtout quand on est une chercheuse blanche. Je reviendrai aussi sur la question de artisan-artiste. Donc vous dites que oui, ça a été appelé à un moment donné artisan, mais qu'ils étaient quand même artistes, mais vous utilisez tout du long le terme d'artisan. Donc est-ce que vous vous placez en fait dans un point de vue de colon ? Ensuite, donc vous avez cité le Quai Branly avec beaucoup d'enthousiasme. J'aurais un enthousiasme beaucoup plus réservé, voire inexistant, dans leur mise en avant, silencieuse de la colonisation et de la provenance fort douteuse des objets qui sont exposés dans leur bâtiment. Comment vous analysez ça? Est-ce que vous l'analysez au final? Est-ce que vous remettez en question votre statut de chercheuse à la fois sur un prisme de classe et de race? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou est-ce que du coup vous vous placez dans une démarche non décolonialiste? Et au final, les références que vous avez données sont plutôt dans une démarche colonialiste et voilà, donc de non-critique de la colonisation et de tout le mal qu'a fait au final les impérialismes occidentaux à l'art africain et à sa valorisation, à son respect. Et aussi au fait que ça reste en Afrique et pas en France, qui est un pays de colons. Voilà, merci beaucoup. Je crois que votre intervention est tout à fait symptomatique d'une manière de voir les arts d'Afrique et l'histoire qui est complètement émotionnelle, justement. Je crois que quand vous parlez de dédain, vous ne m'avez pas comprise. Justement, quand j'ai évoqué la souffrance, et je l'ai évoquée à juste titre, elle existe, elle ne peut, et je maintiens mes mots, en aucun cas effacer ou modifier l'histoire, ça ne nous appartient pas. Effectivement, je n'entre pas et je n'appartiens pas aux théories décoloniales et décolonialistes qui placent, excusez-moi de le rappeler, la couleur de la peau comme un critère de sélection pour faire des études. Je pars du principe que n'importe quel chercheur de n'importe quelle couleur de peau peut étudier n'importe quel sujet, y compris les arts d'Afrique, y compris l'histoire coloniale. Ce n'est pas parce que je suis blanche que je suis colonialiste. Bienvenue. La question ici, par contre, elle est très intéressante et elle soulève une problématique qui est celle qu'on entend partout, qu'on voit partout, des débats virulents, des débats et des questions qui sont légitimes. Je comprends, vous parliez de mon dédain, je comprends votre colère d'un côté quand vous me demandez, quand vous m'accusez plus ou moins même ouvertement d'être colonialiste. Vous n'avez pas compris ici que l'historien ne doit pas juger la période qu'il étudie. Lorsqu'on travaille dans l'histoire, on n'étudie pas, on n'est pas là pour poser de jugement. Effectivement, on sait très bien que la période coloniale, il y a des héritages sociaux, il y a des héritages sociétaux qui sont extrêmement lourds, des massacres, il y a des choses qui ont été commises qui sont innommables. On est d'accord là-dessus. La vraie question ici pour le domaine des arts, c'est pas tant, si vous voulez, de commencer à jeter la pierre aux chercheurs qui s'y attellent en disant « vous n'êtes pas noir, vous n'êtes pas légitime ». Qu'est-ce que ça veut dire cette question ? À aucun moment, un chercheur n'est pas légitime parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau. Entendons-nous là-dessus. Et le fait que j'utilise les termes d'artisanat indigène, que je parle d'art nègre, que je parle d'art sauvage, d'art premier, ce sont des termes effectivement historiques qu'on s'emploie, comme l'a souligné Suzanne, comme l'a souligné Alexandre, à historiciser, à décharger de cette violence ontologique, même si elle est là, même si elle demeure. Et ce n'est pas, si vous voulez, continuer et créer un continuum colonial que d'employer des termes historiques. À aucun moment. Donc, qu'on s'entende là-dessus, n'importe qui peut étudier, il me semble,
avis du public peut-être, n'importe quel sujet dans la mesure où c'est fait dans le respect et avec la conscience de certains héritages évidemment. Héritage, parlons du Quai Branly. Il me semble que vous n'avez peut-être pas bien regardé les cartels, mais c'est mentionné. L'histoire coloniale est mentionnée. L'exposition est mentionnée. Quand je vous parlais de peinture des lointains, il y a un énorme travail qui est en train de se faire par des chercheurs, par des conservateurs, pour évoquer ce passé colonial, pour l'analyser enfin et arrêter de le mettre au placard. Il me semble que là-dessus, votre jugement sur le musée est un peu violent. Effectivement, que les œuvres soient peut-être pas à leur place dans les vitrines et peut-être encore moins en France, on s'entend là-dessus. Aux dernières nouvelles, il y a des projets de restitution qui sont en cours, c'est en train de se faire. C'est une question qui sera extrêmement épineuse, qui sera lente. Il y aura énormément de débats et c'est normal, mais à aucun moment, je crois, vous ne pouvez, parce que les gens sont d'une certaine couleur de peau, les accuser d'être colonialistes sur la simple base d'une non-critique que vous auriez perçue et qui, là encore, excusez-moi, est subjective. Mais je ne sais pas, peut-être que d'autres personnes dans le public peuvent réagir, j'ai vu quelques têtes hochées. Un point de vue. Oui, merci. Oui, pardon. Oui, juste en réaction justement avec ce qui vient d'être dit, je crois au contraire que le travail de Paloma me semble au contraire susceptible d'être très bien accueilli justement localement. En revanche, qui me semble, je me pose cette question-là aussi pour ma propre recherche qui se situe en Asie. Je me pose souvent la question, comment mon objet de recherche est-il pensé par les chercheurs asiatiques en particulier, pour ce qui me concerne. Et je me demandais, Paloma, si en ce qui concerne votre travail, est-ce que vous avez eu l'occasion d'engager un dialogue avec justement des historiens de l'art qui sont ancrés localement? Je pense que ça doit être un dialogue très fécond. Et parce que se pose toujours cette question, non pas... Pour moi, la question n'est pas est-ce qu'on a un regard colonial ou non sur ces choses-là, mais comment, d'un point de vue épistémologique, l'objet de notre recherche est-il pensé? Et de ce point de vue-là, c'est intéressant d'interroger aussi ce que d'autres en disent. Voilà. Absolument, je vous rejoins tout à fait là-dessus. La richesse de notre discipline, c'est aussi de savoir s'ouvrir à d'autres chercheurs, à d'autres points de vue. Il est évident que j'ai beaucoup cité le musée du Quai Branly, je peux vous citer le musée des civilisations noires de Dakar, qui est une création récente et unique dans sa perspective et dans sa volonté d'offrir au peuple africain un patrimoine et leur patrimoine, et qui est absolument essentiel. Je vous citais dans mon intervention un chercheur remarquable, Isidore Pascal Njok Niobe, qui est professeur à Douala, avec qui je suis effectivement en contact, et qui travaille, il a publié un livre absolument magnifique qui s'appelle « Plaidoyer pour le patrimoine colonial », excusez-moi du peu, où il revient justement, il est camerounais, on ne peut pas l'accuser d'être colonialiste, il me semble, sur la nécessité d'étudier l'héritage colonial, de le déconstruire d'une certaine façon, mais aussi de le respecter. Et cet homme-là, qui a des perspectives tout à fait intéressantes, je vous invite vivement à lire son livre, c'est une pépite, cet homme-là, si vous voulez, est engagé dans une voie et dans une analyse de l'histoire qui est une analyse sereine. Et c'est exactement ça que j'essaye, et vous voyez à quel point c'est parfois difficile, d'arriver à une espèce de sérénité, à une espèce de calme. Quand on étudie ces questions, on évite d'avoir justement tout de suite le mémoriel, l'émotion qui remonte, et des jugements de valeur ou des analyses qui sont parfois très abruptes. Mais effectivement, la question des chercheurs africains eux-mêmes, qui ne sont d'ailleurs pas du tout éloignés des champs d'études, ces champs d'études, puisqu'on a des champs très féconds en Afrique, que ce soit à Dakar, avec l'IFAN, où on a toute une communauté de chercheurs qui travaillent là-dessus. Et notamment, je pense, parce que j'ai Alexandre à côté, au conservateur de musée. La directrice du musée des civilisations noires d'Abidjan est également très engagée sur ces questions-là et travaille beaucoup, justement, sur l'aspect historiographique de ses propres collections. Moi, j'aurais une remarque, une question à poser à Quentin par rapport donc au problème de vocabulaire sur l'Antiquité grecque. Bon, moi, je me pose des questions sur l'Antiquité romaine, mais vous voyez, on va avoir à peu près les mêmes problématiques. C'est-à-dire que, bon,
Nous, en archéologie, on a d'autres problèmes liés à ce qu'on retrouve aussi sur le terrain. C'est pas forcément des objets de culture matérielle, mais des sites. Et on a un débat entre antiquisants sur la villa, le vicus. Et alors, pour prendre par exemple les proto-historiens, eux, ils vont utiliser assez facilement le terme de village. Les médiévistes aussi, de hameau, on arrive à retrouver ce vocabulaire qui est contemporain, somme toute, appliqué à des réalités qui sont anciennes. Alors, je vais reprendre votre étude pour le coup, parce que ça fait écho à ce que j'essaie de chercher. Essayer de plaquer, donc d'essayer de trouver des mots contemporains pour désigner des réalités anciennes, en fait, c'est un petit peu la solution que vous nous proposiez, et elle me paraît assez intéressante, mais est-ce qu'on n'a pas le risque à terme que, ben, en gros, on ait une définition d'un vêtement ou d'un site archéologique par chercheur? Et on va retrouver une multiplication de mots de vocabulaire. Hein, vous allez peut-être appeler ça une tunique, mais qu'est-ce qui nous prouve qu'un autre va donner une autre définition? Vous voyez, moi, je me le pose pour mes propres recherches, et c'est vrai que ça peut poser problème. À la fin, on ne sait plus de quoi on parle aussi. Oui, en effet, le risque, c'est de tomber dans l'opposé inverse et en voulant créer une terminologie qui aille à tout le monde, que chacun crée sa terminologie. Donc, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir un dialogue commun entre un petit peu tout le... Pas, évidemment, pas tous les spécialistes, mais un grand nombre. Et ce qui me semble aussi essentiel, c'est que dans chaque étude soient clairement définis les mots qui sont récurrents. Que si on emploie, par exemple, le terme de village ou de hameau, que dans une note de bas de page ou sous une forme quelconque, soit vraiment défini ce qu'on entend par ce terme-là. Et ça pose aussi la question des échanges aussi à l'étranger. Comment traduire aussi la question, par exemple, je pense au terme de tunique, bon, ça, en anglais c'est assez simple, mais comment rentrer aussi cette terminologie dans des échanges plus globaux et plus internationaux. Et après, pour le monde romain, il y a aussi, il me semble, plusieurs difficultés à comprendre Vitruve, ou avec les... Enfin, il me semble qu'il y a des difficultés qui sont assez semblables pour avoir eu l'occasion d'échanger un petit peu. Il me semble que c'est une difficulté. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les vêtements, mais c'est vrai que nous, en archéologie, en occupation du sol, etc., on a des colloques et des débats interminables sur ces problèmes de vocabulaire. On s'enlise là-dedans. Si vous voulez trouver une non-solution à vos problèmes, vous pouvez lire nos actes de colloque. Mais enfin, c'est très intéressant. C'est un peu provocateur ce que je dis là, mais en fait, on cherche des solutions, mais plus on en cherche parfois, plus on a l'impression de s'enliser et de ne pas trouver de réponse et de créer des conflits, même parfois assez puissants. Pour rester dans le domaine du costume grec, c'est exactement les mêmes problèmes où chacun veut définir le terme grec tel qu'il l'entend et chacun défend sa propre position sans rester. Ce qui fait aussi que c'est complètement infaisable. C'est une des grosses difficultés que j'ai eues en commençant mes recherches, c'est que tous les auteurs n'entendent pas les termes de la même manière. Et le problème, c'est qu'ils ne le disent pas, puisqu'ils font ça depuis des dizaines d'années, assez longtemps. Et en fonction des auteurs, on a des descriptions qui sont totalement différentes. Et en plus, des fois, il n'y a pas d'image de ce qu'ils décrivent, donc ça complique encore l'étude. Je terminerai juste par une dernière remarque par rapport à ça. C'est que vous avez évoqué le glissement sémantique des mots aussi, hein, entre les âges mycéniens et l'époque hellénistique. Nous, on a exactement le même problème entre l'époque républicaine et l'Antiquité tardive. Mais aussi, on se pose parfois peut-être pas assez la question de l'usage d'un mot qui pourrait être, je dirais, d'une manière un peu populaire. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple clair, si on prend par exemple le mot de village, la plupart des Français vont l'utiliser pour une bourgade de 4000 habitants, alors que, par exemple, administrativement, on va dire que l'INSEE reconnaît qu'à partir de 2000 habitants, c'est une ville. Voyez, et dans le langage courant, en fait, on va utiliser ce mot en fait d'une manière inadéquate. Il en est peut-être de même aussi avec des mots de vocabulaire qu'on va retrouver dans des textes anciens, comme ça, qui peuvent avoir un usage peut-être déformé par rapport à ce qui avait été donné à l'origine. Hein, mais bon, après là, les réponses, on les a pas. Hein, mais
C'est exactement le même problème. Il y a aussi la question de est-ce qu'on peut comprendre de la même manière le vocabulaire qui est employé par Aristophane, qui écrit des comédies parfois assez, avec un humour assez prononcé, et est-ce qu'il est différent de celui qu'on retrouve dans les tragédies ou dans les textes homériques? Est-ce qu'on n'a pas deux discours qui mettent en scène d'un côté le sort de bas peuple athénien, c'est vraiment ce que veut décrire Aristophane, et de l'autre plus une élite comme dans les textes homériques? Il faut vraiment aussi tenir de ce contexte social dans lequel ces termes sont employés. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ouais. À deux, une à gauche et tout en. Cette question du sens et de la fonction de ces motifs, c'est vraiment une des questions qui va être centrale dans ma thèse, mais j'ai déjà pu essayer de chercher un petit peu. En effet, il y a aussi toute la question de, à travers le vêtement, comment on se présente au reste de la société? Quelle image veut-on véhiculer de soi tout d'abord? Et évidemment, en fait, on se rend compte que cette fonction de recouvrir le corps, elle rentre après plusieurs interrogations qui sont de présenter un message. Il y a aussi, vous dites, la question des motifs, mais aussi la question de l'entretien. Aussi de l'odeur. On sait que les vêtements étaient parfumés, on ignore absolument tout de ça. Et là, c'est sur cette question, vous parlez du coup de la sculpture archaïque, il faut aussi faire la différence entre ce qui est représenté, ce qu'on a dans les sources iconographiques, et des vêtements dans la réalité. La nudité dans le monde grec, c'est vraiment un costume à part entière qui véhicule aussi un langage particulier. Et notamment sur ces questions du sens des motifs, une question assez simple, c'est est-ce que ces motifs avaient un sens? Est-ce que on a jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on retrouve essentiellement dans les études, c'est que ces motifs sont ornementaux et que les Grecs aimaient bien les couleurs, aimaient bien les belles choses et que c'est pour ça qu'ils avaient des beaux vêtements. Ce que je veux essayer de montrer avec ma thèse, c'est que le problème doit être pris différemment. Et je vais surtout beaucoup m'appuyer notamment sur l'anthropologie. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de regarder ce qui se fait dans des sociétés qui n'ont absolument rien à voir et de voir comment ces sociétés considèrent le vêtement. Je pense par exemple au peuple lapon, pour vraiment prendre quelque chose qui géographiquement, historiquement, n'a rien à voir. Il y a des travaux d'anthropologie, notamment de Yves Delaporte, que j'avais cité rapidement, qui montrent que dans ce monde lapon, on renonce totalement aux ornements. Et que là aussi, ce n'est pas simplement par goût, parce que les lapons, ce seraient des gens simples, mais au contraire, le fait de renoncer à ces ornements, c'est le reflet d'une société égalitaire dans laquelle on n'a pas un chef fort, mais au contraire une collégialité. Donc voir dans quelle mesure ces réflexions s'appliqueraient au monde grec, où on a notamment dit, par exemple, que le 5e siècle à Athènes, c'est le siècle de la démocratie, que tous les citoyens sont égaux. Et en revanche, on se rend compte que déjà cette démocratie elle est quand même assez limitée au sein de la société grecque et que surtout, on a encore des marques de richesse assez importantes et qu'il ne faut pas imaginer que... Enfin, on peut questionner le fait que les Athéniens s'habillaient tous pareil et de manière assez sobre. Merci beaucoup. Merci. Je trouve la notion de la nudité comme costume à part entière et attirant. Peut-être une dernière question, je ne sais pas s'il y en aura le temps pour d'autres après. C'est une question pour vous, Quentin, et peut-être un peu plus ouverte pour tous nos intervenants. Ces questions de vocabulaire sont vraiment centrales aujourd'hui dans nos disciplines, et on a énormément de programmes de recherche et de chercheurs qui s'intéressent notamment aux questions des thésaurus,
qui permettent de réfléchir très précisément sur ces questions de vocabulaire pour créer des systèmes de catégorisation, parce qu'on en revient quand même toujours là, qu'on essaye de la préciser ou de la déplacer, qui puisse être utilisée par l'ensemble de la communauté des chercheurs. Est-ce que dans votre domaine, ces questions de thésaurus ont été envisagées? Est-ce qu'il y a vraiment des vocabulaires complets qui ont commencé à être envisagés? Pendant la présentation, j'ai évoqué rapidement l'axe de travail de l'ontoterminologie, mais c'est un axe qui est quand même assez intéressant, mais qui est pris seulement par des linguistes et travaille du coup de manière très conceptuelle. Et du côté de l'histoire de l'art, de l'archéologie, il y a encore très peu de choses qui sont faites de ce côté-là, puisque la majorité des chercheurs continuent à utiliser ces termes grecs. Et je pense vraiment qu'il faudrait qu'il y ait un lien entre ces deux mondes, et que c'est tout ce qu'on dit aussi dans tous les domaines. Ce n'est pas normal que d'un côté, on a des linguistes qui travaillent seulement sur des textes de manière totalement... pas de manière déconnectée avec la réalité, c'est un peu schématique, mais il faudrait vraiment qu'on arrive, c'est un peu utopique, mais que linguistes arrivent à se tourner vers des archéologues qui eux-mêmes se tournent vers les linguistes, et ça pourrait je pense que établir une terminologie qui soit acceptée par tout le monde, ce serait l'idéal, mais ça va quand même être très, très compliqué à mettre en place. On peut quand même espérer qu'avec le développement d'un certain nombre de bases de données iconographiques qui ont besoin de ces thésaurus pour pouvoir décrire les objets qu'elles recensent, on pourrait arriver à quelque chose d'assez clair et d'assez précis en même temps, sans toutefois extrapoler l'usage de certains termes, comme vous avez pu le montrer. Oui, ce serait l'idéal, et vu qu'on a des bases de données qui sont de plus en plus nombreuses, que ce soit des bases de données de musées, pour ce qui me concerne, il y a la base du Louvre qui est sortie il n'y a pas longtemps, et on voit que même au sein de cette base, on a des différences entre une fois on va décrire un péplos, une fois on va plus mettre tunique, et même déjà au sein de cette base, il faudrait qu'on ait une cohérence pour ensuite avoir une cohérence idéale entre tout ça. Bien. Je pense qu'on va peut-être arrêter maintenant pour la pause déjeuner. Et merci à nos trois intervenants, et puis merci également à la salle. C'était passionnant, de très beaux échanges. Et donc la deuxième session démarre à 14h30 et s'intitule « L'histoire de l'art et l'archéologie à la croisée des disciplines ». Donc un certain nombre d'éléments qu'on a déjà évoqués seront repris à ce moment-là, notamment le travail entre histoire de l'art, anthropologie et sciences sociales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me permets de prendre la parole très rapidement pour vous dire à toutes et tous que des paniers repas sont disponibles. Il nous en reste beaucoup. Si vous voulez en bénéficier, n'hésitez pas à aller demander un ticket repas à l'accueil, là où on a vérifié vos passes sanitaires. Il nous reste également de la place dans plusieurs ateliers de cet après-midi. Donc si vous avez prévu de participer aux sessions principales, c'est très bien. Mais s'il y a des ateliers qui vous intéressent, je vous rappelle très rapidement leur titre. On aura deux ateliers sur les réponses aux appels à communication, un atelier sur l'importance de la matérialité dans la recherche en histoire de l'art, un sur le connoisseurship, et enfin un dernier atelier sur les humanités numériques. Et dernier petit point, n'hésitez vraiment pas à déambuler dans les espaces de l'INHA et surtout à aller échanger avec les associations qui sont présentes pour le forum associatif dans la galerie Colbert et qui attendent de vous rencontrer avec grande impatience. Merci beaucoup.